Je, ah bah je me demandais si vous connaissez Edouard Collin. Non. non. Parce que c'est quelqu'un qui a été à Tours très très longtemps, qui habite ici maintenant. Et puis ben, j'ai un contact avec lui par Facebook. J'ai des nouvelles dans un comme ça. Oui. C'est un père de famille. Oui. Scoutisme très investi dans le scoutisme. Oui. Hum. Ben, moi, j'avais pas soulevé le genou. C'est un peu ma génération d'être des scouts en même temps à l'époque. Il y a longtemps. Il y a un certain temps. <laughs> Exactement. Mais ça me, ça rapporté toujours. Oui, c'est une école de vie. Non. Ah oui. démarrer gentiment, c'est ça oui, oui, gentiment, oui. gentiment. Sûr. petit à petit. Sûr, on <laughs> <commence> en... <rire> <rire> ah non, restez. Voilà, donc euh, bah, merci d'être là, d'avoir affronté euh, non pas le froid mais de fortes pluies quand même hein, ce soir. On n'a pas voilà. besoin de micro, ça va euh, Ça en va, en fait, hein, ça je... va aller. Ouais, je vais essayer de parler fort. Euh, voilà, donc le service de formation. Euh, dans, enfin, dans la situation actuelle de l'Église, de toutes les questions qui se posent, a voulu proposer donc, deux, deux soirées par rapport à l'Église, donc euh, « Faire Église » et « Être Église » aujourd'hui. Euh, voilà, et donc euh, le Père Christophe Rimbaud, qui nous vient de tout, assurera euh, ben, donc la première partie, qui sera une partie euh, plus biblique, et la deuxième partie qui sera dans un mois et demi, euh, sera plutôt avec les textes du magistère, avec les textes du concile. Euh, voilà. euh, donc, mais je pense que c'est bien de commencer quand même avec <laughs> les fondements bibliques. Euh, alors, euh, Christophe, on, je vous présente un peu. Donc, oui, euh, oui. Vous êtes prêtre du euh, diocèse de Tours, voilà. vicaire général, oui. modérateur de la curie, oui. voilà, depuis 2015. Oh oui. <laughs> <laughs> euh, c'est tout. C'est parfait. <laughs> Et après aussi euh, enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris. Euh, donc, euh, vous enseignez entre autres à l'Institut supérieur de pastoral catégétique. Euh, vous avez euh, fait de la recherche exégétique, biblique. Euh, mais euh, comme vous avez un pied dans la théorie, un pied dans la pratique, voilà. ça n'est jamais <coughs> tout à fait il la réalité. Voilà. voilà. Exactement. Donc, la théologie des pratiques ou la théologie catéchétique vous tient à cœur aussi. Et euh, bah, du coup, mes livres sont là. Euh, vous avez publié quand même beaucoup d'ouvrages de, de sortes très très différentes. Oui. Donc, de l'exégèse, des textes. Euh, bah, je vais vous chercher. Ah. <laughs> J'en J'en trois. Alors, lesquels Voilà. voilà. Ça. Donc, trois très différents. Oui. Donc, ça, c'est. Euh, oui, ils sont des, des pavés. Hein. Oui, ça. Oui. <laughs> euh, donc, euh, une recherche particulière sur les chapitres 12 et 13 de l'Épître aux Romains. Voilà. voilà ça, c'est un deux gros chapitres. travail qui a été mmh. fait. Deux, deux chapitres seulement. Oui, oui. deux chapitres. Ben oui, oui. <laughs> Quand on décortique les choses. Euh, ça, c'est un tout autre style et donc c'est très accessible pour tous. Oui. C'est un guide de lecture. Euh, pour les évangiles et les actes des apôtres voilà. donc vous pouvez l'employer pour vous-même mais aussi si vous animez des petits groupes bibliques euh, voilà, c'est un voilà. très bon outil c'est un peu la façon de Lectio Divina c'est la Lectio Divina des ah, propositions de Lectio Divina sur votre... certains extraits de, de la Bible de, du Nouveau Testament voilà. Voilà. et donc ça bon, c'est enfin, un apport entre voilà. autres par rapport à la catéchèse qu'elle place la parole de Dieu voilà. elle, en catéchèse aujourd'hui euh, vous participez à la revue Cahier d'Évangile, mmh. que beaucoup de gens vous connaissent. C'est ça. Euh, voilà, voilà. Bah, c'est c'est bien. <laughs> <laughs> euh, j'ai été sur le site de la Cato de Paris, il y a 14 pages. Donc, ah. euh, si vous voulez aller oui, voir, mais enfin, il y, y a des espace, <laughs> espaces. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit condensé. Merci. Donc merci beaucoup de venir jusqu'à nous. Et, puis, euh, et merci Lucie, c'est toujours bonne... un plaisir de retrouver Lucie. Nous <laughs> sommes croisés plusieurs années à la Cato, justement, et, et heureux de garder le lien, ainsi, et puis avec merci. votre vicaire général, que je salue ici officiellement, voilà devant vous. Heureux. Et je salue les prêtres qui devaient être à Tours hier. Vous êtes rentrés hier, je crois, en Touraine, hein. vous étiez en Touraine, à chez alors, je n'ai pas pu, moi, vous saluer à tour, mais pour ça, je reviens hein. vous <rire> voir. <rire> voilà, donc si vous voulez bien, je vais ne pas prendre de micro, sauf si vraiment, au bout d'un moment, vous dites, c'est trop fatigant à entendre, c'est trop loin, c'est pas assez fort, mais quelquefois, c'est presque mieux qu'il n'y ait pas de micro. D'accord oui. Vous m'entendez en ça principe va. Je parle. Oui. Non, moi, ça va. Il n'y a pas, pas de, de souci, merci. Donc, d'abord, moi, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de faire l'effort de venir. Je commence par là parce que je mesure, c'est toujours un effort de se déplacer, venir pour une conférence un soir. J'imagine les trajets, j'imagine les, les, les contraintes que ça présente pour vous. Donc vraiment, moi je commence par là. Vraiment, merci parce que c'est euh, c'est un signe que les thèmes qui vous sont proposés vous vous motivent, vous intéressent et que de fait vous prenez au sérieux, de fait. La, la réflexion que tout croyant est amené à avoir pour avancer sur son chemin de foi. Lucie vous a dit, hein, moi, c'est vraiment le travail de recherche et de lecture biblique qui m'intéresse dans une perspective de vivre le message biblique sur le terrain. C'est vraiment ça qui m'intéresse, d'où l'enseignement à la pastorale catéchétique, Anthony Catéchef, c'est tout l'ensemble de transmission de la foi, catéchèse, catécuménat, préparation au sacrement, accompagnement d'œil, préparation au sacrement, quel qu'il soit, nous sommes tous, avec le texte biblique, pour essayer de transmettre quelque chose. C'est ça, moi, qui me paraît important. Et alors, j'ai choisi surtout de me spécialiser sur un domaine ou dans des écrits qui ne sont peut-être pas les plus simples à transmettre, c'est Saint Paul. Parce que Saint Paul, de fait, on se rend compte que, c'est un petit peu le grand oublié, de la lecture biblique, parce que ce n'est pas toujours évident. Je vais, je vais en redire un ou deux petits mots tout à l'heure. vous ah, pas bien Il faut que je prenne le micro. Alors là, j'ai pu bouger. Bon. <laughs> merci. Et merci de le dire maintenant. Alors on y va. Est-ce que là, c'est bien Ça va C'est messieurs, dames de YouTube qui regardent. Je vous salue. Voilà. Et merci d'être là aussi. Donc je disais, moi ce qui me paraît important, c'est de se rappeler que si nous avons la Bible à disposition, ce n'est pas toujours évident de la lire, pas toujours évident de savoir comment s'y prendre pour qu'elle se mette à nous parler. Mais en même temps, c'est quand même là que se vit la, la transmission, c'est là que nous apprenons de fait les fondamentaux de ce qui va devenir notre foi. Et de fait, il me semble que Saint Paul est sans doute le mieux placé pour nous donner à comprendre ce que Jésus est venu réaliser parmi nous. Voilà. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Le thème qui m'a été demandé, c'est, vous l'avez sous les yeux, en quoi les écritures, alors j'espère que YouTube, vous voyez bien hein, la, la projection, hein, les, les, les chartes que je projette. Le thème, c'est en quoi les écritures, écritures saintes, donc la Bible, peuvent-elles nous éclairer pour faire église et être église aujourd'hui. Voilà. C'était le thème qui avait été formulé. Moi, j'aime bien ce thème parce que cela vient bien dire que c'est aujourd'hui que nous est posée la question mais qu'est-ce que ça nous apprend l'Écriture pour l'Église, pour nous, aujourd'hui Je ne suis pas en train de vous faire l'archéologie ni l'histoire du texte biblique. Je suis en train, avec vous, d'interroger les textes bibliques pour que ça se mette à nous parler, à nous éclairer. Et il faut reconnaître que ce n'est pas évident. L'Église, oui, nous sommes tous engagés dans l'Église d'une manière ou d'une autre, oui. faut reconnaître que de temps en temps, on se sent à l'aise dans l'Église, puis de temps en temps, bah, ce n'est peut-être pas si évident. Que de fait, l'Église, on l'aime, mais de temps en temps, elle nous dérange quand même beaucoup. Que, soyons honnêtes, l'Église a quelquefois bon dos. L'Église a dit ça, la position de l'Église. Oui, oui, bah, et moi où est-ce que j'en suis dans ma foi pour témoigner de ma foi à partir de ce que j'ai reçu et de ce que j'essaie de comprendre Donc voilà, on est toujours en train de se poser des questions. Il y a de l'actualité de l'Église. On sort des tensions avec le rapport de la SIAZ. Nous sommes dans la réflexion avec le Synode, le Synode universel. Pour lequel nous nous posons des questions. Après tout, où est-ce que ça nous mène Qu'est-ce que se dire Comment on s'y prend Il y a de temps en temps des déclarations qui viennent de Rome qui nous posent questions. Évidemment, quand on parle des bénédictions, en ce moment, c'est un sujet chaud. Et par rapport à l'Église, on n'est pas toujours très à l'aise. Alors ça mérite d'aller regarder. D'aller regarder, bah, depuis le début, après tout, c'était quoi le projet C'était quoi le projet que Jésus avait quand il a fondé son église sur pierre. Tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, c'était quoi ton projet, Seigneur eh bien, c'est pourquoi nous allons faire un petit parcours biblique ce soir. Je vais m'appuyer sur Saint Paul, bien évidemment, mais je vais passer au début par Saint Luc écrivant les Actes des Apôtres. Voilà, parce que c'est en gros dans ces deux corpus. Saint Paul et les actes des apôtres que nous avons plus d'informations sur l'église comme telle. Mais je ne veux pas oublier et donc je montre le plan ici, je ne veux pas oublier que eh bien c'est quand même Jésus qui a fondé l'église, que si je pars tout de suite sur les actes des apôtres ou sur les lettres de Paul, c'est d'abord Jésus qui fonde qui a fondé l'église, c'est clair. Donc dans cette introduction en quelques mots, le mot église ne figure que trois fois dans les évangiles. Cherchez chez Jean, chez Marc, chez Luc, l'évangile de Luc, vous ne trouvez pas le mot Église, il ne figure pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de référence à ce qui devient l'Église. Jésus est bel et bien avec ses disciples, il fait corps, il fait équipe, on pourrait dire il fait Église avec ses disciples chez Marc, chez Luc et chez Jean, mais le mot ne figure pas. Donc quand on est interrogé sur Église, ben, où est-ce qu'on va aller chercher d'un peu plus près C'est Matthieu qui en parle. Le seul évangéliste à en parler, je vous ai mis les trois, réfé les trois références. Dans Matthieu 16, verset 18, c'est Pierre, tu es Pierre, sur ces pierres je bâtirai mon Église. Et Matthieu 18, 17, vous avez par deux fois le mot Église au chapitre 18. Par deux fois, c'est dans le discours de Jésus sur la communauté, sur l'Église. Quand tu es indifférent avec un frère, va chercher un autre, un ancien de l'Église. Et si ça ne suffit pas, va encore chercher d'autres dans l'Église. Voilà. C'est-à-dire, c'est le lieu où nous sommes invités à chercher comment régler des questions avant d'aller s'en remettre à d'autres déjà dans l'Église, faisant un travail d'échange d'homme à homme. On a besoin d'institutions judiciaires, mais avant d'aller tout de suite judiciariser les relations, attendez. C'est déjà dans l'Église, j'ai dire d'homme à homme, d'humain à humain, mesdames, et eh bien que de fait nous pouvons déjà aborder la question parole sur parole, parole contre parole, avant d'aller chercher tout de suite la couverture extérieure. Je dis ça parce que Jésus le dit. N'allez pas tout de suite dans les euh, tribunaux, et Paul le dit abondamment, ne vous en remettez pas à des tribunaux. D'abord, dans, dans l'Église, la parole à sa place et doit être déjà une possibilité, un lieu, une occasion bah, de faire la vérité, de régler un différent entre vous. Il est avec ses disciples, Jésus, et quand on voit avec ses disciples, par exemple, je pense à la tempête apaisée, oui, c'est le signe de l'Église, où les disciples sont là, embarqués avec Jésus. Et évidemment, on se rappelle que le signe, un des premiers signes de l'Église, c'est une barque, ou alors le poisson, ou alors l'ancre. Il faut attendre le deuxième ou troisième siècle pour que les chrétiens se décident à prendre comme signe de reconnaissance la croix. D'accord hein Donc, c'est sûr qu'on voit bien que dans l'Évangile, ce n'est pas oublié. Mais il n'y a pas de développement énorme. En revanche, nous avons des développements explicites dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul. C'est pourquoi je fais le choix. De maxer sur Paul et les actes des apôtres. Pourquoi je mets Paul en premier Mais je vais l'aborder en deuxième. Le premier auteur chrétien, c'est qui Ce ne sont pas les évangélistes. Premier auteur chrétien dont nous ayons trace, c'est saint Paul. Donc la première trace d'explicitation de ce qu'est l'Église se trouve dans les lettres de Paul. Et c'est pour ça que je donne la priorité à Paul. En plus, Paul écrit directement à des communautés. Donc c'est là que nous avons les développements les plus fins et les plus consistants sur ce qu'est l'Église et ce que pourrait être l'Église. Et ça, c'est d'une éternelle actualité pour nous aujourd'hui. Donc je vais traverser des lettres, mais je commence quand même par les actes des apôtres. Pourquoi Et c'est pour ça que je vous le mets dans le plan, ça va être le premier moment. C'est parce que nous avons une information sur les premières ou surtout la première communauté de Jérusalem. Et donc, on a ici, dans les actes des apôtres, des éléments d'information sur lesquels je voudrais évoquer deux ou trois points. Dans un deuxième moment, pourquoi lire Saint-Paul Attention, quand on lit Saint-Paul, comment est-ce qu'on peut se positionner euh, L'apôtre, le disciple et le missionnaire Saint-Paul, figure de tout apostolat. Et puis, troisième moment, les communautés fraternelles, les communautés ecclésiales de Paul, fondement, enjeu, perspective pour aujourd'hui. Ça vous va comme menu je vous met en appétit Je commence donc par les actes des apôtres. C'est Luc qui écrit. N'oublions pas que quand les évangélistes écrivent, ils écrivent avec un projet en tête. Ils ne sont pas là pour seulement donner de l'information. Ils sont là parce qu'ils ont un projet en tête et le projet il est extrêmement clair au début de l'œuvre de Luc, au début de son évangile. Vous connaissez tous ce passage c'est le prologue non pas de Jean, c'est le prologue de Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Je le relis, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après mettre soigneusement Informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Qu'est-ce qu'on apprend là On apprend que Luc annonce d'emblée que son évangile, c'est pas un compte rendu de l'agenda de Jésus pendant les trois ans de sa vie publique. C'est surtout pas ça. On apprend que Luc n'a pas pour objectif de rapporter des faits qu'il a vus lui-même puisqu'il s'est renseigné auprès de témoins oculaires. Donc il y a déjà un intermédiaire. On apprend ici que son projet, c'est de composer un récit dans un objectif précis. Ce n'est pas pour faire une encyclopédie de la vie de Jésus, c'est la fin qui nous le dit. C'est pour composer un récit ordonné pour constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Autrement dit, c'est pour aider la foi, pour nourrir la foi de ceux à qui il s'adresse, en l'occurrence celui qui est aimé de Dieu ou qui aime Dieu, Théophilos. D'accord Donc on voit bien qu'ici, il a fait des choix. Il a fait des choix, il a sélectionné des passages de la vie de Jésus, il a sélectionné des paroles de la vie de Jésus, pas forcément tout à fait les mêmes que Marc, que Matthieu. Évidemment, Jean prendra encore plus distance par rapport au premier évangéliste, Marc. Il prendra encore plus distance en ne retenant, par exemple, que quatre récits, sept récits, pardon, de miracles qu'on appelle les signes hein, chez Jean. Mais Jean dit bien aussi, ces récits ont été composés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Là, c'est la finale de Jean, au chapitre 20. Mais que en croyant, pour que en croyant, vous ayez la vie en son nom. Autrement dit, le projet, c'est d'aider notre foi, de solidifier notre foi, d'appuyer, d'avoir des points d'appui pour notre foi, et ce faisant, ayant foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous ayons un surcroît de vie, un bénéfice existentiel, comme disent certains sociologues, un peu plus d'intensité de vie. Quand je lis le texte biblique, est-ce que je suis conscient que le projet, c'est de me donner encore plus de force de vie C'est ça le projet. Et donc, en même temps, son projet n'est pas de décrire de la manière la plus complète, la plus parfaite, etc., les événements de la vie de Jésus et, en ce qui concerne l'Église, les événements de la vie de l'Église. Son but n'est pas là. D'accord Donc, ça veut dire qu'il y a un filtre. Un filtre heureux, évidemment, mais un filtre. C'est donc avec Paul que nous avons des éléments de première main, puisque lui, quand il écrit, il écrit de sa propre main, au moins pour sept de ces treize lettres. Il écrit, lui, de sa propre main. Ensuite, lorsque Luc écrit les actes des apôtres, je vous cite le discours programme ou la phrase programme au chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit à ces apôtres Il leur annonce que ils doivent rester à Jérusalem, ne pas en bouger tant qu'ils n'ont pas reçu la force qu'il va leur envoyer. Il annonce à Pentecôte. Qu'est-ce qu'il leur dit Vous l'avez sous les yeux. Vous allez recevoir, c'est à ses disciples, les 10 qui sont là, hein, euh, de fait, ou les 11, disons, il hein, a pas Judas n'est pas là et Matthias n'est pas encore intégré dans l'équipe. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, vous avez ici l'annonce qu'ils vont être... Investi de la force de l'Esprit Saint, le même Esprit Saint qui l'a fait vivre pendant toute sa vie terrestre, qui lui a permis d'abord de venir au monde, l'annonce là, hein, là, à Marie, rappelez-vous, celui qui, l'Esprit Saint, lui a permis de résister aux assauts du tentateur, de résister à la peur au jardin de Sethémadi, évidemment, il s'en remet tout de suite à la volonté du Père, c'est la force de l'Esprit. Si je dis ça, c'est parce que c'est le même Esprit qui nous donne. C'est-à-dire que cette force que nous voyons se déployer dans les évangiles, je vous rappelle que nous l'avons au fond de nous aussi. Est-ce que nous la sollicitons suffisamment quand nous sommes dans les difficultés Ça, c'est déjà une attitude en Église. Est-ce que je suis conscient que cette force de l'Esprit-Saint que je vois agir sur Jésus pense à vie terrestre, cette force, je l'ai aussi, moi. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'en suis conscient Est-ce que j'en témoigne Et ensuite... Il va les envoyer comme ses témoins. L'idée, c'est d'être témoin. Il dit pas pour aller annoncer que je suis passé. Non, pour être mes témoins. Témoins à partir de Jérusalem. Et puis, par cercles les plus les plus loin, un peu comme l'eau, une goutte d'eau qui tombe sur la surface. Ça fait comme des cercles de plus en plus éloignés. Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Eh bien, vous avez ici tout le programme des Actes des apôtres. On démarre en effet à Jérusalem, ça se termine où le plus loin possible Fin des actes, c'est où Allô Comment À Rome. À Rome, géographiquement, c'est un des lieux les plus loin par rapport à Jérusalem et à l'époque, sur le plan de la foi, évidemment, c'était la capitale, mais la capitale de l'empire païen, donc la plus éloignée de la foi. D'accord Donc, c'est pour ça que nous avons ici, avec les Actes des Apôtres, un projet particulier qui fait que quand on entend parler de l'Église, de c'est dans cette perspective, c'est comment l'Église a contribué, a mis en œuvre cette mission d'être témoin de plus en plus loin. Et alors, là où c'est important, point 1, 2, toujours dans les Actes, le leitmotiv dans les Actes des Apôtres, c'est que quoi qu'il arrive, la parole, le message du Seigneur se répand et se répand de plus en plus, de plus en plus loin, et les disciples sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est un message pour nous aujourd'hui. Que de fait, on se rend compte que dès le premier temps de, de l'Église, des premiers siècles, eh bien, les communautés, qu'elles soient déjà bien constituées ou en cours de constitution, eh bien, elles ont traversé des sacrées crises des sacrées tensions internes et externes dès le départ et vous avez des tensions internes vous vous rappelez à et Saphir le couple qui de fait ne contribue pas au pot commun j'allais dire acte 6 la fameuse décision d'appeler des diacres des hommes qui vont être au service de la diaconie pour permettre le service de la parole en mettant en œuvre le service d'État, mais le projet s'est servi de la parole, une organisation dans l'Église pour que la parole soit servie et toujours plus forte pour aller jusqu'au bout de la terre. Le projet de l'Église, c'est de porter la parole, le message du Seigneur. C'est ça la mission. Et pour cela, ben, de façon très pragmatique, l'Église s'est dotée de responsables qui ont été missionnés. Qui ont reçu une mission les diacres Est-ce qu'on peut dire que les diacres sont vraiment à l'image de nos diacres d'aujourd'hui Attention, pas d'anachronisme. C'est toujours le risque quand on entend parler de diacres, d'épiscopes, etc. Dans la Bible, on a l'impression que ça y est, on nous a parlé déjà de tel ou tel ministère. Attendez, non, non, c'était pas tout à fait la même chose. C'est la fonction qui est intéressante. C'est l'organisation de manière pragmatique que c'est donné l'Église parce qu'il y avait un danger. Pourquoi Parce qu'il y avait une tension interne. Relisait début d'acte 6, il y avait une tension interne. Ceux qui parlaient grec, ceux qui parlaient hébreu ne s'entendaient plus. Et voilà que ça chamaillait. Et donc, ils ne pouvaient plus témoigner de Jésus de façon très paisible et de façon fructueuse. La réponse a été de déléguer des diacres pour calmer les tensions et organiser le service d'État pour permettre que la parole soit servie. Ça, je trouve, c'est actuel. Quand nous voyons des tensions dans notre Église, l'Église va disparaître. Avec la crise de, de la, crise de la Sias, on ne va jamais s'en remettre. C'est terminé. On n'a plus de crédibilité. On n'aura plus personne qui viendra toquer à la porte de l'Église. Attendez. Les premières communautés nous apprennent qu'à chacune des tensions, l'Église s'est relevée parce que ce n'est pas tant l'Église comme telle. C'est la parole qui, elle, résiste à toutes les tensions, et l'Église en est chargée de cette transmission de la parole. Quand on regarde les tensions, les tensions ici ou là dans notre Église encore, quand on regarde toutes les tensions qu'il y a actuellement, ne prenons pas peur. En revanche, regardons comment l'Église et première communauté se sont organisées pour surmonter les tensions, tensions internes. La grosse tension, on a failli le schisme hein, dès le premier siècle, acte 15 la fameuse assemblée de Jérusalem, on a dans la communauté des judéo-chrétiens ou des chrétiens venus du judaïsme qui de fait étaient des circoncis, étaient des purs et ne devaient pas être avec les goïmes. Or, bah, ça y est qu'il y a des pagano-chrétiens, des païens qui se mettent à confesser Jésus-Christ, qui entrent dans la communauté, ça fait pas bon ménage. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble Et voilà qu'une tension se met en place. Qu'est-ce qu'il faut Comment est-ce qu'on peut gérer C'était le premier schisme qui se présentait. Pierre, Paul et puis Jacques, qui a été un peu le juge de paix, mais pas seulement Jacques, tous les anciens de Jérusalem. Voilà typiquement le paradigme de tous les synodes de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, je viens de vous citer le document de la commission. Théologique international, document de 2018, et qui dit que acte 15, c'est le paradigme de tous les synodes de l'Église. Et donc, le synode que nous vivons en ce moment, moi, je ne sais de penser à acte 15. Je me dis, mais après tout, acte 15, on se rend compte que, d'une part, ils ont réussi à être nombreux à se réunir, à oser aborder la question, les questions qui dérangent, existentielles, des questions graves. Et, ils s'en sont remis d'abord. Ils ont sont écoutés les uns les autres. Pierre prend la parole, Paul prend la parole. C'est pas toujours euh, très très sympathique, mais c'est en vérité. Et à la fin, les anciens, donc c'était pas quelqu'un tout seul dans son bureau qui a décrété pour les autres, les anciens réunis avec les apôtres, eh bien, ont prié l'Esprit Saint. Et c'est là que vient la fameuse expression, l'Esprit Saint. Et nous-mêmes avons décidé que, voilà. Et hein, eh bien voilà. On parle de synode, nous avons ici le modèle type, le paradigme de tous les synodes. Puissions-nous en prendre un peu de la graine parce qu'on se rend compte que c'est possible et que l'Église, parce qu'elle est ancrée sur l'Évangile, parce qu'elle vit de l'Évangile, l'Église traversera toujours les pires tensions. Le, discours, le, le document de la Commission théologique internationale parle même que c'est le, le paradigme des synodes le synode, la synodalité est le mode de vie et le mode d'opération, le mode d'activité de l'Église. Modus vivendi et operandi. Voilà petite ouverture sur l'Église synodale. Et puis, je prends un dernier exemple. Tension interne. Et je, vous allez voir pourquoi je dis interne. C'est que Paul, devant l'aréopage à Athènes, devant les philosophes d'Athènes, eh bien, je trouve qu'il nous donne un vrai modèle un vrai modèle de d'évangélisation il ne prend pas à rebrousse poil les philosophes il leur dit attendez ce que vous cherchez c'est beau j'entends que vous cherchez celui qui est l'origine de la vie du mouvement de l'être et philosophes, dans la pensée grecque hein, bien évidemment tout ça matinée d'empire romain en plus quand il leur parle eh bien il leur dit ben voilà votre quête elle est là et à force de chercher je vois que vous avez même vous êtes même allé jusqu'à parler d'un dieu, d'un dieu inconnu. Vous avez fait une stèle à l'entrée, etc. Eh bien, je suis venu pour vous donner la réponse à votre question. Qui était donc ce dieu inconnu Moi, je vais vous le révéler. C'est celui qui est mort et ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est à qui se fait mettre dehors Vous vous souvenez hein, dans ce passage Mais souvent, on dit, ça a été un échec. J'ai encore des confrères qui disent, bah, c'est pas à peine de penser exemple Justement, ça s'est mal passé. Mais non, pardonnez-moi. C'est un, on dispose ici de l'excellent modèle de d'évangélisation et d'argumentation pour rejoindre les hommes et les femmes de, de tout temps dans leur questionnement au moment où ils le vivent, avec leur courant de pensée. Il ne leur dit pas qu'ils raisonnent mal, il les guide dans leur recherche pour les mener aux ressuscités. C'est tout autre chose. Ça, ça s'appelle de l'inculturation et en respectant les personnes dans leur questionnement. Mais en plus, à la fin, je vous rappelle que s'il se fait mettre dehors, c'est parce qu'il a touché au cœur, d'une part, et d'autre part, on doute bien qu'à la fin, ils étaient quand même quelques-uns, même en catimini, mais quand même à se rallier à lui. Et donc, je suis en train de vous dire que tout au long de, des actes des apôtres, on apprend que l'Église n'a pas peur des tensions parce que l'Évangile lui permet de les traverser, et l'Évangile, le message, la parole est toujours plus fort, plus forte. En dépit de tensions internes, mais aussi externes, on a tous en tête le martyr d'Étienne, donc je, je ne détaille pas, hein, sinon ça sera long. Pierre, puis Paul, je vous rappelle, dans les actes des apôtres, ils s'en prennent quand même, hein, ils traversent des sacrées épreuves. Ils sont flagellés, ils sont arrêtés, ils, sont, ils vont monter l'un et l'autre à Jérusalem. Tout le récit, les récits sont bâtis comme si c'était comme une passion que l'un et l'autre vivaient. Paul va le dire aussi, il dit, bah de fait j'ai été flagellé, mais j'ai été aussi trahi par les miens, j'ai vécu la famine, j'ai vécu, j'ai été, euh, été dans l'eau, euh, voilà, cherche ce mot, voilà. Mais comme, comme une passion, ils vivent comme une passion. Et puis, tension externe, sont les idoles à Éphèse, les fameuses statuettes d'Artémis qui mettent de fait en, en cause, parce qu'il y a des révoltes contre les euh, chrétiens, ceux qui annoncent sa foi en Christ, et bien de fait, à Éphèse, il y a une tension à cause de l'annonce de Jésus-Christ, parce que ça vient gêner les commerçants des fameuses statuettes d'Artémis, hein, de la déesse. Et donc, il y a une tension interne et externe, mais rien n'y fait. Vous avez à chaque fois, à chaque fin d'épisode, et c'était de plus en plus nombreux à rejoindre les disciples, les adeptes de la voix, de l'Évangile. Et la parole continuait de se propager, même chez les païens, etc. Donc là, nous apprenons quelque chose d'important sur l'Église. C'est que quand nous restons attachés à l'Évangile, n'ayons pas peur des tensions. L'Évangile est plus fort que ça. Jésus le dit bien, mes paroles restent, les paroles de ce monde, elles passeront de toute façon. Donc, nous avons une sacrée assurance, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, attention, hein, c'est simplement parce que l'Évangile est suffisamment fort pour dépasser toutes les querelles externes ou internes. Le dernier point que je voulais vous dire sur les actes des apôtres, vous connaissez tous ce passage, je pense, de la première communauté et ses trois piliers. C'est en acte 2, puis c'est redit à plusieurs endroits autres dans les actes des apôtres. On apprend que de fait, les apôtres, les premières, la première communauté, prenaient appui sur trois attitudes, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières. On dit toujours quatre piliers, non, trois. Et donc, l'enseignement des apôtres, ben, ça veut dire que qu'ils pouvaient vraiment vivre en communauté, se développer dans la mesure où ils recevaient des apôtres qui leur étaient donnés. Les apôtres, ils ne se sont pas dit, ce pas un chef dans son cœur, y a tiens, je vais fonder ma petite communauté. C'est pas ça. Les apôtres ont reçu mandat de la part de Jésus, et de fait ensuite, ils ont transmis à tour de rôle, c'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Quand j'entends aujourd'hui remettre en question telle ou telle autorité, parce que c'est la hiérarchie de l'église alors on va prendre des mots vous savez pour dévaloriser ce que tel ou tel a dit ce tel ou tel a, euh, euh, évêque a dit pardonnez-moi on peut tout à fait ne pas être béni. oui oui je l'entends mais en même temps qui sont-ils les évêques successeurs des apôtres ce sont ceux qui ont reçu la succession apostolique depuis 2000 ans et donc ce qu'on apprend ici c'est que la première communauté si elle grandit dans la foi si elle grandit dans la réception de l'Évangile, et si elle puisse sa force pour transmettre cet Évangile, ce message de Jésus-Christ, c'est parce que elle se fie à l'enseignement des apôtres, d'accord, de ceux qui ont été mandatés par le Seigneur. Les apôtres, comme les évêques d'aujourd'hui, ne sont pas des freelances à leur compte. Ou alors, si c'est le cas, il faut s'en méfier. C'est peut-être pas des vrais apôtres. Il y en a déjà à l'époque. Hein Saint Paul le dit, relisez un Thessalonicien, il y a des faux apôtres, toutes les rues, ça court toutes les rues. Et donc l'idée, c'est de bien discerner. Mais une fois qu'on a discerné, fions-nous à cet enseignement des apôtres, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Ensuite, la communion fraternelle, c'est ce qui est du domaine de la charité. Le mode de fonctionnement, de relation à avoir entre nous, c'est exactement ce que Jésus a instauré et qui fait vivre l'Église. Ce qui fait vivre l'Église, c'est bel et bien la charité, mais quand il dit charité, ce n'est pas la charité, monsieur, dame, avec une compassion. Ce n'est pas ça seulement. C'est plus que ça, c'est l'agapé-vie de l'amour divin, l'agapé divine, tel que Jésus l'a montré en mourant sur la croix. Il les aima jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, ce qui fait vivre une communauté, c'est sa capacité à mettre en œuvre, à se recevoir de l'amour de Dieu jusqu'au bout et de vivre nos relations selon cet amour jusqu'au bout. Et ça, ça décoiffe. Et ce n'est pas tous les jours si évident. Mais c'est une condition pour que la vie dans l'Église puisse se vivre et que ça puisse rejaillir en dehors et au-delà de l'Église. Et puis la fraction du pain et les prières, c'est toute la dimension évidemment de prière. Toute la dimension de célébration à laquelle nous sommes tous, nous sommes tous appelés, et donc les premières communautés, la première, on se rend compte que c'est en travaillant et en vivant ces trois dimensions que elles se sont constituées. N'oubliez pas, j'ai mis entre parenthèses en bleu, en rouge, en vert, qu'on a une autre manière de présenter les trois éléments. Ce qui est l'enseignement des apôtres, c'est du, du côté de la foi. C'est ce qui nourrit la foi, la parole, l'enseignement, transmis, l'écriture, mais aussi la parole de l'Église. C'est ce qui nourrit notre foi. Cela nous permet d'être des prophètes, c'est-à-dire que cette parole que nous recevons, c'est à nous de l'annoncer. Pro, c'est mettre devant, fait, 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 mis, la parole, transmettre, des porte parole Prophète, c'est pas celui qui regarde l'avenir dans, la dans, dans la boule de cristal. Hein. C'est celui qui annonce sa parole et la transmet. D'où le verbe en vers c'est « annoncer ». La communion fraternelle, c'est l'agapé, c'est la dimension de service. Je sers l'autre dans une relation d'amour selon ses besoins, amour gratuit, dans lequel, par rapport auquel, je n'attends pas de retour. C'est à fond perdu. C'est pas du donnant donnant. Ça, c'était vrai au moment de l'Empire romain et Paul insiste bien là-dessus, mais Luc aussi. Non, non, c'est gratuit. Jésus, il a donné gratuitement sa vie, il n'y avait pas de raison plus que ça, si ce n'est de manifester son amour. Cette dimension royale du baptême, je rappelle, au moment du baptême, nous sommes, nous recevons l'onction. Et l'onction, le prêtre ou le diacre dit en, en, en faisant l'onction, il dit :« Maintenant, tu participeras à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. Prêtre, prophète et roi. Alors roi, c'est pas Louis XIV. Hein. Non, roi, c'est peut-être plus sa couronne d'épines, d'une part, mais roi, ça veut dire aussi appel à ce que, comme baptisés, nous apprenions à régir. On a tous euh, au moins des rudiments de latin, rex, regis, hein, le roi, régir, régir nos relations, c'est ça être roi, la dimension royale, régir nos relations avec quiconque selon l'agapé. C'est ça la dimension royale. Je suis responsable de décisions que j'ai. De gérer, de régir mes relations avec d'autres, sont si on l'a ou pas. D'accord C'est ça la dimension royale du baptême. Et puis, à fraction du pain, c'est tout ce qui est du domaine de l'espérance, c'est le domaine de la célébration et de la prière. Ces prêtres, prophètes et rois, ces prêtres, tout baptisé et configuré au Christ prêtre. C'est-à-dire que les prières que nous avons les uns les autres, que nous vivons, elles ont du prix aux yeux de Dieu. Que quand nous célébrons la messe, nous sommes tous célébrants. Il y a un président, il y a des co-présidents, un des concélébrants mais nous sommes tous en train de célébrer la messe Vatican II, Rappelons-nous, d'accord Donc ça veut bien dire que c'est ça aussi la dimension de communauté que nous apprend la première communauté de Jérusalem. Toute église, toute communauté normalement constituée ne peut vivre et se développer que si elle équilibre et elle veille à ces trois missions. Comme on dit, c'est tria munera, c'est trois missions, prêtre, prophète et roi, annoncer, célébrer, servir, exactement comme la première communauté de Jérusalem. Il y a deux auteurs que je veux vous citer, il y a Christine Jourdan et un certain Jürgen Becker. Christine Jourdan, je ne sais pas si vous la connaissez, Elle enseigne, je crois qu'elle enseigne encore à, au centre théologique de Clermont-Ferrand. Et puis euh, il y a un, un commentateur de, de Saint Paul, un exégète, l'un comme l'autre disent en fait ces trois missions, elles sont comme des tuteurs pour les nouvelles communautés. Quand une communauté est fragile, eh bien, il faut qu'elle re, qu reprenne appui sur ces trois missions comme des tuteurs. Comme une plante qui pousse, il y a des moments où elle est à travers des épreuves. Eh bien, les trois tuteurs sont nécessaires pour qu'elle se remette, avoir de la vitalité et peut-être à fleurir à nouveau. D'accord Et Becker lui dit, c'est comme une deuxième peau. Les premières communautés se sont cherchées. La toute première qui soit un petit peu structurée, celle de Jérusalem, dont nous avons ici les trois missions, eh bien, c'est comme une deuxième peau. Elle a pu de fait se transformer et prendre une nouvelle identité à partir du moment où elle vit de cet équilibre entre annoncer, célébrer, servir. Voilà quelque chose qui décrit une caractéristique qui décrit la première communauté, mais je me permets de dire que c'est toujours d'actualité. Toute communauté ne peut vivre en fait et relisez, vous relirez Vatican II à la prochaine intervention. Eh bien, vous verrez que c'est en ces termes que se dit la vie en communauté, la vie d'église, veiller à l'annonce, au service et à la célébration. Si dans une communauté, il y a un des, des trépieds qui manque, bah c'est comme un trépied qui n'a plus que deux pieds, on ne peut pas être solidement installé. Avec un trépied, on tient. D'accord Hein Donc, euh, rappelons-nous de ça. C'est vrai pour des communautés paroissiales, c'est vrai pour des communautés doyennées ou un diocèse, c'est vrai pour chaque groupe, chaque groupe d'église. Une équipe Notre-Dame, un groupe de prière, C'est pas parce qu'il fait la prière, parce qu'on vit la prière dans ce groupe, qu'il faut oublier l'annonce, qu'il faut oublier le service. Comment on vit le service dans le groupe de prière Comment est-ce que, de fait, on témoigne de ce que nous vivons par la prière autour. C'est ça annoncé aussi. C'est les trois qui permettent d'être équilibrés, d'avoir des communautés qui sont vivantes et qui vont aller de l'avant et prêtes à dépasser toutes les épreuves. Et ça, c'est un défi. Hein ça, c'est un vrai défi. Ça marche. Est-ce que jusque-là, ça va Je suis resté avec Saint-Luc dans les actes. Je quitte Saint-Luc. Désolé, Luc, mais je reste pas plus ce soir. <laughs> Nous passons à Saint-Paul, si vous voulez bien. Ça va encore Dites-moi hein, un moment ou un autre. Alors pourquoi moi j'insiste un peu sur Saint-Paul Vous l'avez compris parce que c'est sans doute un des corpus que je travaille beaucoup, c'est vrai, mais je voudrais juste rappeler des petites choses. Pourquoi Paul D'abord, quand on lit Paul, comment est-ce qu'on peut s'y prendre Ensuite, je voudrais voir avec vous le cœur du message. Et puis... Comment est-ce qu'il s'y prend Exhortation, puis après recommandation. Donc, je vais essayer d'écrire un petit peu comment il s'y prend. Puis troisième moment, on ira plus sur ce qu'il dit des églises. Pourquoi Paul Alors n'ayez pas peur, j'ai mis beaucoup de, de lignes là. Tout d'abord, n'oublions jamais avec Paul que c'est celui qui a persécuté les chrétiens, mais qui, de fait, s'est fait rattraper sur le chemin de Damas. Il faut toujours avoir ça en tête. Luc, dans les actes des apôtres, rapporte l'épisode du chemin de Damas. Mais Paul en parle aussi dans ses lettres. Il en parle très ouvertement. Il ne se cachera jamais. Il ne mettra jamais sous le boisseau ou sous le tapis le fait qu'il avait persécuté les chrétiens. Moi, je persécutais les chrétiens. Et puis, de fait, euh, bah, sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé Il est tombé à la renverse. D'accord. C'était une expérience renversante. Mais ce qui m'importe, c'est qu'il a vécu une expérience non seulement de conversion, le 25 janvier, en fait. La conversion de Saint Paul, mais plus que ça, c'est la vocation dont Saint Paul a pris conscience de manière fulgurante sur le chemin de Damas. Il le dit lui-même dans ses lettres. Il dit en fait, le Seigneur m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Il lui a fallu du temps et cette expérience provocante pour qu'un jour, eh ben, cette mise à part devienne réalité et qu'il en prenne conscience et que ça change toute sa vie. C'est d'abord une expérience. De vocation avant d'être une expérience de conversion. La conversion étant la conséquence de la vocation. Pourquoi je dis ça C'est parce que très souvent dans nos vies, on parle de conversion. Certains ont parlé, ont vécu une conversion. J'entends parfois des personnes qui disent Moi, ce que je suis devenu chrétien à partir du moment où j'ai vécu tellement important dans ma vie. J'avais bien reçu le baptême petit, mais c'est pas ça qui m'a marqué. C'est un jour, ça c'était vraiment ma conversion depuis le début, j'ai dit ben d'accord, mais ta conversion, elle s'en d'abord depuis ta naissance parce que ta vocation était là en germe. Sauf qu'il n'y a pas eu d'événements dans ta vie qui ont fait que tu as pris conscience que tu étais appelé, mais tu étais appelé dès le début. Tout baptisé, quelqu'un qui était appelé dès le début, tout vivant est appelé dès le début, qu'on le veuille ou non. Alors, après, on y répond ou pas, on en prend conscience ou pas, on est aidé sur ce chemin de, 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 de vocation ou pas, mais néanmoins, Dieu appelle tous. Et ça, c'est notre mission en Église que de dire que tous sont appelés, même, même ceux qui ne sont pas baptisés, Dieu le Créateur les appelle aussi. Peut-être qu'il leur faudra du temps. Vous ne trouvez pas que on vit un moment formidable dans notre Église aujourd'hui je ne sais pas ici à Limoges, mais je suis sûr que c'est comme dans tous les diocèses, le nombre de catéchumènes. Mais ça éclate, ça éclate, on est tellement toujours, nous les pessimistes de service dans l'Église, mais pardonnez-moi, nous dans notre diocèse, on est en train de changer toute notre organisation pour le catéchumène, on est débordé, quel bonheur On est en train de changer tous les lieux, on avait l'habitude d'aller dans tel lieu, des catéchumènes à tel moment, on est obligé de tout changer parce qu'on ne s'en sort plus, mais quel bonheur quel bonheur. Et donc on se dit bien que Dieu appelle alors que nous, on ne le voit pas venir, hein, le coup. D'accord Dieu prend toujours par surprise. Et c'est ça qui est important, comme il a fait pour Paul. Et Paul, quand il dit, dès le sein de ma mère, le Seigneur m'appelait, c'est intéressant d'entendre qu'il prend l'expression des prophètes. C'est une vocation de type prophétique, comme Isaïe, comme Jérémie. Exactement la même expression dans la lettre aux Galates et dans la première aux Corinthiens dès le sein de ma mère, il m'appelait. Il m'avait mis à part. Le Seigneur met à part chacun pour une mission particulière, quelle est-elle Chacun a une mission particulière, quelle est-elle, cette mission Si on n'y croit pas, allez, retravaillons ça un peu, d'accord Et ça, c'est la mission en Église, apportée en Église. L'expérience du chemin de Damas, qui lui a peut-être permis de comprendre ce qu'il utilisera après comme image pour décrire l'Église. L'Église, corps du Christ alors ça y reviendra hein, tout à l'heure mais l'église corps du Christ c'est une image d'abord qu'il n'a pas inventée parce que ça existait dans le monde romain cette, cette, cette image a été utilisée pour décrire la cité mais il peut-être qu'au moment du chemin de Damas il a pris conscience en entendant Jésus dire je suis Jésus que tu persécutes il persécutait pas Jésus il a jamais rencontré Jésus de son vivant d'accord si il persécutait Jésus en persécutant les chrétiens peut-être que ça l'a aidé à comprendre que les chrétiens sont le corps du Christ et que en persécutant les chrétiens, c'était bien le Christ en son corps qu'ils persécutaient. Voyez, comme quoi cet épisode a vraiment beaucoup de force. Et alors, vous allez tous. Être d'accord avec moi si je vous dis qu'il est tombé aveugle pendant trois jours. Hein. Il a fallu trois jours, ensuite euh, il a recouvré la vue, il a, il a de fait ensuite euh, reçu le baptême, il a repris des forces alors qu'il ne mangeait plus, etc. Oui, d'accord, ça c'est si vous lisez acte 9. Mais si vous lisez la troisième version dans le livre des Actes, il y a acte 9, acte 22, acte 26, on a trois versions de l'épisode du chemin d'Amas. Acte 26, il n'est plus aveugle. Il ne rapporte pas qu'il a été aveugle, ça ne compte même plus. Ce qui est important, c'est que cette lumière, ça l'a illuminé et ça lui a donné la claire vision de ce qu'il devait faire, de sa mission. La claire vision de sa mission, c'est quoi C'est d'aller porter justement cette lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres, toutes les nations qui sont dans les ténèbres. Voilà la mission confiée au premier des apôtres, des apôtres de la première génération, ou de la deuxième si vous voulez, comme on veut. C'est d'aller porter la lumière là où il y a des ténèbres. Voilà la mission confiée à l'apôtre Paul et à travers Paul à nous tous parce qu'il le redira dans la lettre aux Philippiens, soyez comme des lumières dans ce monde. Jésus l'avait dit, il ne faut pas que la lumière soit sous le boisseau, elle est là pour, de fait, illuminer autour. D'ailleurs, mon évêque, Monsieur Jordi, en commentant ce passage de Jésus sur la lumière, il dit, il s'agit de ne pas mettre sous le boisseau, il s'agit non plus de ne pas en mettre plein la vue. Parce que si je balance la lumière dans les yeux de quelqu'un, ça va de fait l'aveugler. Non, il faut au contraire que ça l'éclaire et que ça éclaire son environnement pour qu'il puisse apprendre à se diriger, à avancer et voir un chemin. D'accord Voilà la mission de l'Église. Voilà la mission de l'Église telle qu'elle nous est donnée à partir de cette expérience du chemin de Damas. Vocation Seigneur, tu m'appelles depuis quand et à quoi? La lumière, comment est-ce que je peux transmettre la lumière, à condition que j'accepte d'aller identifier les ténèbres des uns et des autres, il faut que je discerne, d'accord, ce n'est pas immédiat. Et puis, d'autre part, il bah, faut que j'accepte aussi une certaine conversion qui découle de cette vocation. Voilà, il faut que j'abandonne des choses pour aller sur un terrain nouveau. Une conversion vocation entre rupture et continuité parce qu'il n'abandonnera jamais tout ce que le judaïsme lui a apporté. C'est ça qui est important. Il est un autre homme, peut-être jusqu'à une certaine limite, il continue de dire juif, il continue de raisonner comme juif. Ça c'est important de le dire. Dieu n'a jamais demandé qu'on renie notre passé, il a demandé qu'on l'assume et qu'on accepte de nous libérer de ce qui nous encombre pour avancer sur son chemin, celui qui nous trace. Mais c'est tout. Et donc quand on lit Saint Paul, il faut se rappeler qu'il écrit comme un juif, et que de fait, sa manière de penser, c'est à la fois la pensée juive, mais aussi la pensée grecque, rhétorique. D'où le fait que les lettres soient pas faciles à lire. C'est une révélation de Jésus persécuté dans son corps, je vous l'ai dit, c'est une expérience pascale. Parce que de fait, c'est comme s'il passait en effet par une certaine mort euh, et qui va le transformer. Il s'appelait Saul, il devient Paul. Je ne sais pas quelle image vous avez de Paul, mais Paul, c'est celui qui est humble. Ce n'est pas toujours l'image qu'on en a. Il s'appelait Saul, il s'appelle Paul. Paul en latin, ça veut dire quoi Paulus, le petit. Ah, on ne le dit pas assez, ça. Paulus, c'est le petit. Il prend comme nom pour jouer. Le, celui dont on a l'image de quelqu'un qui va toujours de l'avant, pardonnez-moi, quelqu'un qui se fait très humble au point de le porter sur son nom, dans son nom. C'est un homme intérieur. J'insiste là-dessus parce que souvent on a des images, des a priori sur Paul qui font que c'est pas un personnage qui nous apparaît d'abord sympathique et donc ça nous bloque dans la lecture et la réception du message qu'il nous donne. Mais regardez bien, c'est quelqu'un qui est intérieur. Il ne commence jamais une lettre sans rappeler qu'il a pris le temps de prier, de porter dans sa prière avec d'autres, et pas seul dans son coin, avec d'autres. Moi, Paul, Timothée et Sylvain, avec Sylvain et Timothée, nous vous avons porté dans nos prières, nous avons prié pour vous et nous rendons grâce pour tout le bien que vous faites et tout ce que vous viviez de bien. Je viens de vous citer le début de la première aux Thessaloniciens, première des lettres de Paul. Et donc c'est un homme intérieur, c'est un homme humble qui porte dans son cœur ce que vivent les communautés, de positif et de négatif. Il le dit lui-même. Quand un membre souffre, quand une communauté souffre, je ressens moi cette souffrance. Il ne peut pas faire comme s'il était indifférent à ce que vivent les communautés. Donc c'est un homme intérieur et humble, un homme de prière. Un de mes, mes, mes enseignants sur Saint Paul disait, les lettres de Paul sont comme des comptes rendus de sa prière. Il a porté dans sa prière ce que vivaient les communautés et il a mis par écrit le contenu de sa prière. C'est intéressant de garder ça en tête hein, quand on l'écoute. C'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à mettre en avant ses faiblesses. Deuxième mot Corinthien, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Alors, ce n'est pas dire euh, je suis faible, mais comme je sais, euh, non. C'est qu'il apprend à reconnaître, à s'accepter dans ses faiblesses. Il n'est donc plus seulement victime de ses faiblesses, il apprend à les gérer et c'est comme ça qu'il devient crédible. D'accord hein Il ne met pas le couvercle sur ses faiblesses. Il dit lui-même quand il va voir les grands philosophes dans, dans la lettre aux Corinthiens, il dit « Chez nous avec vous craintif et tout tremblant ?» Lui, le Paul, hein craintif et tout tremblant, on a toujours l'impression de celui qui est dresseur de tort et qui va dire ce qu'il faut faire. Pardonnez-moi, ce n'est pas du tout ça. Quand il dit de fait craintif tout tremblant, et je n'ai pas le don de la parole et je n'ai pas le don de la connaissance et de, et de la rhétorique comme vous, les maîtres de, de sagesse d'Athènes. C'est intéressant d'entendre ça. Bon. La mission, porter la lumière aux nations qui sont dans les ténèbres. L'apôtre, parmi les apôtres, avec des collaborateurs, il n'est jamais seul. C'est-à-dire qu'il est synodal avant l'heure, c'est un mot à la mode actuel. Il est synodal avant l'heure, il travaille en équipe, on dirait en équipe ou en église. Et il n'est jamais seul. Autrement dit, question pour nous. Est-ce que, de fait, dans ce que nous vivons en église, est-ce qu'on est vraiment les uns avec les autres Est-ce qu'il y a une dimension suffisamment communautaire Bien sûr que oui, mais est-ce que c'est vraiment une dynamique d'ensemble et est-ce qu'on est capable de rendre compte du positif de la vie en collaboration ou avec des collaborateurs dans notre vie de foi Pierre et Paul, je rappelle qu'ils sont un peu configurés au Christ, hein, je vous le disais tout à l'heure, ils ressemblent au Christ, ils prennent appui sur le Christ, ils sont des vrais disciples du Christ. Leur modèle, l'un et l'autre, c'est bel et bien le Christ. C'est le premier auteur chrétien, je vous l'ai dit, Paul, première lettre, premier authessalonicien, année 50. Premier euh, évangile rédigé. Donc il y a des bribes déjà avant, bien sûr, mais rédigées de façon formelle et définitive. C'est Saint Marc, années 65 à 70 seulement. Vous voyez bien, hein, il y a un décalage. Hein. Et l'Évangile de Jean, c'est années 90 et au-delà. Donc vous voyez bien que c'est lui le premier auteur. Quand il écrit, il n'a pas les Évangiles en main. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire Quel va être le contenu de son message s'il n'a pas possibilité de raconter la vie de Jésus les rencontres de, monsieur, de Jésus avec Madame Samaritaine, de Jésus avec Monsieur Zaché, de Jésus distribuant les pains qu'il a multipliés, de Jésus le détail de la passion. Tout ça, Paul le met de côté, ne l'écrit pas, ne le retient pas, parce qu'il n'a pas les évangiles, parce qu'il n'a pas vécu aux côtés de Jésus de, son, euh, de sa vie terrestre. Qu'est-ce que va retenir Paul Eh bien, il va retenir justement autre chose, l'essentiel de la foi. Et c'est ça que je veux que nous arrivions à bien repérer. Ça va être mon point de deux. Premier auteur chrétien, il écrit 13 lettres, dont sept dont authentiques. Et au total, il écrit à sept églises. Si vous faites le décompte, vous verrez. C'est intéressant parce qu'on dit toujours, c'est l'apocalypse, hein, les lettres aux sept églises. Non, Paul aussi, le corpus polydien, c'est sept églises. Chiffre parfait, hein. ce n'est pas pour rien, évidemment, que je le signale. Et puis la pensée de Paul, bah, il est à la croisée des trois mondes, juif, grec, romain. C'est vraiment un modèle d'inculturation, je trouve. Je passe un peu vite, si vous voulez. Le cœur du message, c'est ça qui m'importe. En Église, quel est le contenu de notre foi on, a, on est bien dans l'héritage juif. Comment est-ce qu'on peut résumer la foi Comment est-ce qu'on peut résumer les 613 commandements de la foi juive Vous vous souvenez, c'était ça la question. Quel est le premier des commandements hein Une question qui a été posée à Jésus plusieurs fois. Et bien, même question pour nous. Quel est le cœur de la foi Quel est l'essentiel Eh bien, c'est l'évangile du Christ. Plus précisément, l'évangile du Christ, l'évangile de la croix, l'évangile qui se donne à découvrir sur la croix. Et saint Paul ne prend comme point d'appui sur la vie de Jésus que cela, que cela la croix le message de la croix que comme un langage nouveau tout sur le christ pas tant la vie de jésus que la centralité de sa croix un mystère un processus pascal alors un petit petite ouverture sur le mot évangile évangile ça veut dire quoi bonne nouvelle on est tous d'accord la traduction mot à mot c'est bonne nouvelle est-ce que alors question est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est souvent une nouvelle et que c'est souvent bon. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire aussi que ce n'est pas toujours le cas Que de fait, quand on lit tel ou tel passage, ce n'est pas nouveau parce que j'ai entendu 50 fois. Jésus avec Zaché, je suis à peu près sûr que nous l'avons tous entendu un sacré nombre de fois. C'est pas nouveau. Et le risque, c'est que de fait, nous ne prêtions plus attention au texte. On se fie à ce qu'on connaît de cette histoire, mais on ne va pas lire le texte. On passe complètement à côté. On ne le lit pas à nouveau. Donc, on ne lit pas le texte, on se contente de se rappeler, de nous fier à notre mémoire. Voilà, oh triste mémoire, parce qu'elle n'a peut-être pas tout intégré. Peut-être que le jour où je vais le lire pour la 51e fois, je vais être attentif à tel détail. Tiens, je jamais remarqué. J'avais remarqué qu'il était sur un app et après, d'un coup, il se retrouve dans la maison. Quelle est sa position dans la maison Jésus est là, il s'approche de Jésus, et qu'est-ce qu que nous dit Luc, donc une quarantaine d'années après l'épisode Puisque c'est chez Saint-Luc. Il a une position. Il était d'abord sur l'arbre, puis après, dans la maison, il est comment Il est assis, il est allongé. Non, il est debout. Il est debout. Point de détail Ben non, ce n'est pas un point de détail. Parce que ça nous apprend qu'il est remis debout. Un homme qui était à terre exclu. Qui avait de fait détruit toutes les relations sociales de sa faute, donc il avait, c'était quelqu'un qui était complètement isolé, ben d'un coup il est remis debout. Or, vous comme moi, vous savez, quand on dit debout ou réveillé, c'est le mot de la résurrection. C'est-à-dire que cet épisode nous apprend qu'il a, Jésus venant chez lui, lui ayant montré son désir de voir qui était Jésus et d'être sauvé. Eh bien, il a re, il est, c'est un homme remis debout. Tiens, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ça, on entendra ça plus tard. Hein. Eh bien, mais ça veut dire qu'il va pouvoir, parce que qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Il dit puisque j'ai volé, au même que Jésus lui dit, je vais rendre au quadruple, je vais rembourser. Autrement dit, je vais rétablir les relations que j'avais détruites. C'est un épisode de résurrection de relations sociales, de résurrection sociale. Ah bah, ça change tout. Ça change tout parce que ce n'est pas l'anecdote que je connais depuis que je suis gamin, c'est que c'est un récit dans lequel se dit déjà quelque chose, la résurrection. La résurrection, c'est ce qui est capable de faire revenir, de réactiver, de susciter à nouveau des relations qui étaient mortes. On ne se cause plus, on n'a plus de relations. Est-ce que c'est définitif Ben oui, on apprend qu'avec Josaché et Jésus, si c'est possible. Ah voilà. Et donc une autre manière de comprendre ce que Jésus a voulu nous dire quand il est passé par la croix et nous montrer la résurrection. La résurrection, c'est aussi rétablir des relations, revivre une relation. La relation est de nouveau vivante et féconde. Ça, c'est de la résurrection. Mais c'est le mot ⁇ Il est debout ⁇ qui me fait comprendre cela pour un texte que je connaissais. Euh, voilà Donc ce n'est pas toujours nouveau. Et ce n'est pas toujours bon. Parce que de fait, si je lis ce texte, de la même manière, depuis 50 fois, ben ce n'est pas bon pour moi, ça ne changera rien. C'est de la connaissance et c'est enfermé dans mon tiroir de mémoire, puis voilà, c'est fini, ça ne change rien, ce n'est pas bon. La relecture, c'est même du rabâchage. D'accord Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui peut faire que c'est vraiment bon et nouveau, bonne nouvelle Eh bien, il faut se rappeler ce que veut dire vraiment le mot évangile. Évangile, oui, bonne nouvelle, mais ça vient d'où Ce n'est pas Paul qui l'a inventé, Jésus non plus. Évangile, c'est un vocabulaire qui annonce, dans le monde romain et dans le monde grec, qui annonçait la bonne nouvelle de la naissance d'un personnage hors du commun. Et surtout, évidemment, un divin empereur. Paul, quand il, quand il entend ça, eh bien, il apprend que de fait, c'est un mot qui est aussi utilisé pour décrire ou annoncer une victoire à l'issue d'un combat. Ah, tiens, c'est autre chose. Évangile, ça veut dire la victoire l'annonce de la victoire à l'issue d'un combat. Autrement dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus, mort et ressuscité, est venu mener tous les combats des hommes. Il a pris sur lui tous les combats. Combat de la tentation, combat de la confrontation au mal, au mensonge, à l'abandon de ses proches. À la croix, il était tout seul hein, quand même. Il n'y avait pas grand monde au pied de la croix. À, à, au fait qu'il a été euh, moqué, au fait qu'il a souffert, il a combattu contre même le risque de... Ben de, de, de douter un moment, de douter un moment du Père, Père éloigne de moi cette coupe. Non, 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 ta volonté. D'accord Il a mené tous ces combats et il les a vaincus. Il a gagné. Le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est quoi C'est la mort. Je cite Saint Paul, 1 Corinthiens 15. Le dernier ennemi vaincu, c'est la mort. Autrement dit, il est venu prendre la condition des hommes en toutes choses excepté le péché. Pourquoi Pour nous montrer que lui nous donne le chemin pour vaincre toutes les épreuves et vaincre tout, dans tous nos combats. Et que de fait, il s'invite dans nos vies pour traverser toute épreuve avec nous, nous garantir par sa présence que la victoire est assurée si nous nous fions à sa parole. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça l'évangile. C'est qu'à chaque épisode de l'évangile, il est question de scènes, d'épisodes qui me rejoignent dans mes propres combats. Alors, pas tous en même temps, mais quand, par exemple, je traverse une période dure dans ma vie, que j'y vois pas clair, j'ai l'impression que ça tank de partout et qu'il n'y a pas d'avenir possible, et je suis complètement sous l'eau, parce que j'ai trop d'épisodes qui m'arrivent en même temps et je ne sais plus où de la etc. Eh bien peut-être que dans l'épisode La tempête a pissé, je vais trouver un message pour moi à ce moment-là. Que de fait, c'est quand je suis dans l'épreuve que j'ai l'impression que le Seigneur se moque de moi ou se désintéresse de moi. Où est-il Il est pas là, il dort tranquille dans le bateau. Oui, dans toute épreuve, c'est la première action que nous avons tous. S'il y avait un bon Dieu, alors en attendant, moi je suis tout seul, me Et avec ce qui m'arrive. C'est exactement comme dans la tempête apaisée. Et qu'est-ce qu'ils font les disciples Et c'est là qu'ils deviennent modèles pour nous. Évidemment qu'ils ont peur, évidemment qu'ils sentent la mort venir. Mais ils vont s'approcher de Jésus, ils vont le réveiller. Tiens, réveille. Ils vont le susciter à nouveau. Tiens, ressusciter. C'est aussi le vocabulaire de la résurrection. Autrement dit, nous avons dans ces récits des épisodes qui nous permettent de nous identifier et de d'être, de sentir que le Seigneur vient nous rejoindre nous aussi dans nos propres épisodes. Alors ça, c'est nouveau parce qu'à chaque fois que je traverse une épreuve, ben, c'est nouveau pour moi. Et le texte va me parler à ce moment-là d'une manière nouvelle. Et c'est bon. Parce que là, pour le coup, j'apprends que Seigneur ne vient pas se désintéresser de moi, que s'il si le sollicite, il va se manifester, il va me garantir de la sortie de l'épreuve. Eh bien, ça me donne de la force dans l'épreuve pour tenir bon et aller vers la sortie de l'épreuve. Vous voyez bien C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Ça va Donc c'est plus que une information, Jésus t'aime. C'est plus que ça. Ça m'implique et ça me rejoint et c'est bon, il y a ça chaque fois nouveau. Bonne nouvelle, processus de combat et de victoire. Saint Paul le dit en Romains 1, c'est une dynamique, une dynamis, un mouvement, l'évangile. Une puissance de libération et de salut en action. Et s'il est passé par toutes les épreuves, et il est sorti vivant et revivant, comme disent les enfants, et de fait, moi aussi. Il vient me dire qu'à chaque épreuve, il y a un avenir. Et même quand j'apprends, quand je, je reçois le coup de massue de l'annonce d'une maladie qui sera incurable, j'apprends que la mort, oui, là, je vais y passer. Ça, c'est sûr. De bon, on va tous passer par la mort. Mais on a surtout la certitude que ce n'est qu'un passage. La mort, avec Jésus, est requalifiée. Ce n'est pas la fin. La mort est un passage. Une Pâque Une Pâque Donc, j'ai des. J'ai la force, il faut que je cherche, il hein. faut que je prie, il faut que je demande au Seigneur, il faut que je le bouscule parce que j'ai besoin de lui, mais il vient me donner la force de tenir bon, ce n'est pas la mort qui aura le dessus. Ça va C'est ça l'évangile. Et chaque épisode vient de... Eh bien, Paul, en fait, ne retient que ça, ne retient que ça pour ses lettres. Tout est basé sur ce message du passage par la croix. Quand je regarde la croix, moi, ce n'est pas seulement la mort, c'est aussi l'annonce de la résurrection et la réalité de la résurrection. C'est le mouvement, passage par mort vers la résurrection. C'est une dynamique, ce n'est pas statique. L'évangile, ce n'est pas statique. Eh bien, avec Paul, c'est ça qu'on apprend. Et alors, si on veut garder une expression en résumé de cet évangile, c'est le gros mot que j'ai mis en dessous, le kérigme. Le kérigme, c'est comme évangile, une tradu un mot. Grec, euh, francisé. Mais kérigma, kerigme c'est le résumé de l'évangile. Vicaire général, nous étions ensemble à Lourdes, en hein, rassemblement kérigma, peut-être que quelques-uns y étaient aussi parmi vous. Kérigma, c'est le résumé de l'évangile, l'expression la plus courte de la foi, et on trouve cette formule chez Paul. Jésus, Christ, est mort et ressuscité. Mais il faut aller jusqu'au bout, et je l'ai mis en majuscule exprès. Pour nous. Si je dis Jésus, il t'aime, il est mort, ressuscité, pff, très bien, ça, toutes les encyclopédies le disent. Je n'ai pas besoin d'évangile pour ça. Pas la peine. Enfin, c'est le pour moi qui est important. Qu'est-ce que ça change dans ma vie qu'il soit mort et ressuscité C'est pour moi. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce que ça bouscule Qu'est-ce que ça corrige en moi Qu'est-ce que ça ouvre comme horizon pour moi, pour moi et pour nous en église et l'Église, elle reçoit la mission. Toutes les Églises et nous aujourd'hui aussi, de d'entendre, de, de, d'accueillir et de vivre de ce kerygme. Il est mort et ressuscité pour les hommes, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, etc. Eh bien, oui, c'est exactement ça. C'est pour nous. Et la mission, c'est pas de dire, faut que tu crois en Jésus. Hein, faut pas seulement aller sur les places et avec des slogans Jésus 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 t'aime non faut aller rencontrer les personnes pour dans leurs ténèbres comme Paul sur le chemin de Damas leur dire que Jésus est mort ressuscité pour que dans les ténèbres qui traversent lui vienne mettre la lumière de la résurrection et c'est nous qui en sommes les porteurs c'est ça la mission de l'Église dans le directoire pour la catéchèse qui a été publié en 2020 il est clairement dit, paragraphe 58, je l'ai noté un peu plus loin, mais je vous le dis maintenant, l'Église doit être à comme mission d'incarner le kérigme, incarner le kérigme. C'est à nous d'aller dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, ressuscité pour toi, pour toi aujourd'hui. Le gamin qui est un décrocheur, qui n'arrive pas à, à se tenir à l'école... Qui passe d'établissement en établissement, établissement pardonnez-moi, je vais prendre un mauvais mot, un loser, et que, qui fait que tout le monde perd foi en lui en disant de toute façon, il est perdu pour toujours. Non, 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 non. Jésus est mort et c'était pour toi. Tu es dans des ténèbres, mais je viens te dire, il est pour toi aussi. Rien que ça. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Ça redonne des raisons de vivre, ça. Ça n'a pas résolu tout de suite sa moyenne, hein. mais ça a lui donné une force qui lui manquait. D'accord hein La personne qui est confrontée, qui est dans la ténèbre du deuil, je ne sais pas comment je vais continuer ma vie parce qu'on avait tout bâti ensemble, j'ai perdu ma moitié, je ne sais pas comment. Ouais, ouais, elle désespère de la vie et, et, et c'est inévitable. Il ne faut pas qu'elle s'en veuille. Mais justement, c'est à nous d'aller lui dire ta ténèbre du deuil, parce que c'est une ténèbre. Eh bien, il a donné sa vie pour toi, pour que tu ne restes pas dans cette ténèbre. Alors, elle aura du mal à l'entendre tout de suite, mais là, Bernadette, vous aide beaucoup de l'eau. Je suis chargé de te le dire. Pas de te le faire croire, mais de te le dire. Eh bien, ça fera son chemin. D'accord C'est ça l'Église aussi. Et c'est ça l'essentiel de l'Église. L'Église est là, sa raison d'être, c'est d'annoncer cet évangile avec le kérigme. D'accord Et, et j'allais dire rien de plus. Tout le reste, c'est au service de cette annonce. Recentrons-nous sur ce kérigme. Mais restons pas à un slogan. Oui, Jésus est mort ressuscité. Oui, très bien. Non, 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 non. C'est plus exigeant. Allons rencontrer les uns les autres dans leurs ténèbres. Allons rencontrer les uns les autres dans leurs épreuves. Et c'est là que le Seigneur les attend. Et donc, au total, la croix, c'est comme un processus pascal qui nous fait entrer dans une nouvelle logique. Ça dépasse entendement que l'amour de Dieu se manifeste dans une mise à mort. C'est pas pour rien encore une fois que les chrétiens ont attendu deux siècles au moins. Pour choisir ce signe. Parce que c'est une mise à mort, une mise à mort infamante, on le sait bien. Hein. Ben, non, c'est une nouvelle logique. Accepter de s'abaisser, de changer les codes d'une certaine manière, changer les codes. Hein. Être croyant en Christ, c'est changer les codes et accepter les autres codes. C'est ce que Paul dit quand il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide, et vaine. L'agapé de la croix. C'est bien sur la croix que son amour est manifesté pour nous. Il se donne, nous aussi on se donne à l'autre, on va lui donner du temps parce qu'il a besoin d'entendre ça. Et eh bien ce faisant, ça nous transforme. C'est ce que je mets ici, c'est un ouvrage important hein, qui a été publié sur Saint Paul, l'œuvre de métamorphose. L'homme qui était complètement enfermé dans ses épreuves, dans ses travers, vous savez, eh bien non, le Seigneur vient l'aider à s'en sortir. La vie humaine est un combat, est un sport. On va en entendre parler hein, cette année avec les JO. Ben oui, la vie est un sport. Hein. Là, un sport, et le culte spirituel, c'est-à-dire que c'est toute ma vie qui est concernée. La vie selon l'esprit, non pas selon la chair, la vie selon l'agapé. Bon, je passe, si vous voulez bien, parce que je voulais assez développer. Et puis, comment Paul s'y prend-il Eh bien, il s'y prend d'abord. Avant de donner des recommandations, des exhortations, il permet aux communautés de, de chercher à comprendre le comment de leurs tensions. Il ne leur fait pas une leçon de morale. Il vient les aider à lire à la lumière de la croix où est le problème dans les tensions qu'ils ou qu'elles traversent. Il établit d'abord une relation de, 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 de confiance un lien intime avec les communautés, il les appelle mes frères, mes bien-aimés, à Gapetoy. il est en quête de repérer ce que vivent les communautés, il ressent son corps les tensions, les disciples de Corinthe, qui vivent des divisions, des schismes, hein, il dit hein, dans la première aux Corinthiens, eh bien il leur dit, attendez, ah, je ne peux pas me résoudre à ça, ça ne vous rend pas heureux. Et il leur fait pas une leçon de morale. Il leur dit pas "Attention, vous entendez pas bien. C'est pas bien. C'est pas être bon chrétien." Il ne leur fait pas de leçon de morale comme ça infantilisante. Il leur fait une lecture théologique à la lumière de la croix. Il leur dit en fait "Vous cherchez à vous mettre en avant par la course à la connaissance, la pensée grecque, par la sagesse. La sagesse, eh bien, qui fait que vous pensez ayant de la sagesse." Vous avez possibilité de faire tout et n'importe quoi avec votre corps, par exemple. Ça, je ne l'ai pas écrit. Avec votre corps, c'est comme ça qu'il commence à 1er Corinthiens en dénonçant des situations de prostitution, d'inceste, etc. Mais il dit c'est du fait de votre culture. Donc il ne leur fait pas le reproche, il leur donne de comprendre où est le problème. C'est qu'ils ne se respectent pas les uns les autres, ils ne respectent pas le corps de l'autre, ce faisant, ils ne se respectent pas soi-même. Autrement dit, c'est la première théologie du corps. Il leur fait lecture théologique, mais le corps, après tout, c'est le lieu qui est un sanctuaire. Le corps est un temple, ton corps personnel est un temple. C'est pour ça, ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Les relations sexuelles, elles sont là ordonnées, mais ça ne doit pas être désordonné parce que ton corps est un temple, le temple de l'Esprit Saint. Et Dieu réside dans ton corps. Et le, ton corps est le lieu où tu es appelé à glorifier, à rendre gloire à Dieu. D'accord Donc il leur fait une lecture théologique de toutes ces tensions. D'accord Tout ça avec la croix, en disant ⁇ Accepte de t'en remettre à tout ce que Seigneur t'a manifesté en donnant sa vie pour toi ⁇ Place primordiale de la prière d'action de grâce pour ce que vivent les communautés. Il commence toujours par cette... Lecture interprétative de ce que vivent les communautés, l'indicatif, puis après il passe à l'impératif, comme on dit. Et vous regarderez, toutes ces lettres sont construites en deux parties. Au début, il fait la lecture théologique à la lumière de la croix, et deuxième partie, les recommandations. De ce fait, faites attention à ceci, cela. Il vient les consoler, il y a un maître mot, paracaléo. C'est une exhortation, mais c'est une consolation. C'est un ministère de consolation. L'Église pour transmettre le message de l'évangile a d'abord à honorer un mystère de consolation dans la grande tradition des prophètes relisez Isaïe Isaïe 40 verset 1 Isaïe 60 consolez consolez mon peuple relisez le début de la deuxième lettre aux Corinthiens de Paul le dieu de toute consolation d'accord et de toute miséricorde et donc c'est ça le rôle de, qui nous est confié à nous églises c'est la consolation l'encouragement et puis communauté de disciples du Christ à l'image du Christ, premier-né d'une multitude de frères. Alors, est-ce que ça va encore L'heure avance, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous tenez encore Une fois que j'ai tenu à parler d'abord du message et de la mission de l'Église, avant ensuite maintenant d'aborder la partie où il décrit un peu plus le fonctionnement de l'Église, l'organisation au service de cette mission. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Ça va Allez, courage, on y va. Troisième moment, les communautés fraternelles de Saint-Paul, fondement, jeu perspective pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'en dit Paul, Église, communauté Ensuite, les défis que traversent ces communautés, l'Agabée de la Croix et communauté de disciples missionnaires. Les Églises, communauté, qu'est-ce qu'en dit Saint-Paul D'abord Église, je ne vous apprends rien, pardonnez-moi. Mais j'aime mieux qu'on se le redise. Le mot église, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire ensemble des appelés et convoqués. C'est un mot ecclesia, c'est un mot quand on dit ecclésial, église, c'est un mot qui est fabriqué, façonné sur le mot caléo. Caléo, clé, c'est quoi C'est l'appel. Appel. Vocation en église, vocation dans la Bible, la vocation c'est caléo, appel. Et donc, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés. Autrement dit, l'Église, ce n'est pas d'abord une institution. Moi, je, me, je fais toujours attention à ça, parce que l'Église, ceci, l'Église dit que l'Église fait ça, etc. Ou oh, attends, les chrétiens pensent ci, si, les chrétiens pensent ça. Et là, pour le coup, il y a la diversité. C'est moins monolithique, quand même. Et puis, c'est beaucoup plus vivant. Parce que les chrétiens, ce n'est pas ceux qui sont autoproclamés chrétiens, c'est ceux qui entendent un appel et y répondent. Que ce soit nous, quand on vit une vocation de type conversion, que ce soit nous qui avons reçu un baptême dès notre enfance, mais qui, de fait, par ce baptême, entendons au fur et à mesure l'appel que le Seigneur ne cesse de nous donner. Moi, je ne crois pas à la crise des vocations. Hein. Moi, je m'élève contre ce mot-là. Il n'y a pas de crise des vocations, Il n'y a pas de crise d'appel. Dieu n'a jamais arrêté d'appeler. Jamais. En revanche, on arrête ou on écoute un peu moins ses appels et on les honore moins. Donc ces crises, il y a du côté de la réception de l'écoute, mais pas de l'appel. Ce n'est pas Dieu qui est en crise. Hein. C'est notre capacité à moins accorder d'importance à l'écoute des appels du Seigneur. D'accord Donc je dis ça parce que l'Église, si, quand elle, écoute, quand, elle, quand elle écoute le Seigneur, si, si, elle a largement la force et elle traverse tant et tant d'épreuves. Euh, ça va vous voyez un peu l'importance Je vous rappelle que l'écoute, c'est d'abord la raison d'être de l'Église, c'est dans son nom, c'est avec un autre, une autre expression, l'expression la plus nombreuse, la plus fréquente dans toute la Bible Ancienne-Nouveau-Testament. Écoute, écoute. C'est le premier mot de la règle de Saint-Benoît, mais en même temps, dans la Bible, c'est le mot qui a le plus d'occurrence. Écoute. D'accord Écoute le schéma Israël, évidemment. Hein. Écoute, ils le disent tous les jours, hein, nos pères dans la foi, que sont les juifs. L'autre expression, c'est n'ayez pas peur. C'est les deux expressions qui sont les plus répandues. N'ayez pas peur, 365 occurrences dans la Bible. Ben voilà, d'accord, n'ayez pas peur. Jean-Paul II, oui, d'accord, mais Jean-Paul II cite en Jésus. D'accord, et ça tous les jours. D'accord. Donc n'ayez pas peur, écoutez, le Seigneur sera toujours là. Donc l'Église sont ceux qui se mettent en situation d'entendre l'appel du Seigneur et d'essayer d'y répondre et d'en vivre. C'est une autre manière de défier l'Église. Hein. Et ça veut pas dire qu'on est meilleur que d'autres parce que c'est pas nous qui appelons, c'est Seigneur qui appelle. Tuteur et âme de la communauté, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pris un peu d'avance quand je vous avais présenté les trois dimension de toute communauté normalement constituée. Là où je veux en venir, c'est le point suivant, les métaphores de l'Église. Paul utilise plusieurs images pour dire ce qu'est l'Église. Première image, tout ça c'est dans 1 Corinthiens 3. Tiens, Vous bah, voyez, il y a le champ de la plantation, construction, temple de l'esprit, corps et membres, et église domestique, mais je vais y revenir. Regardez, dans 1 Corinthiens 5, 17, il dit clairement, en fait, les apôtres, parce que les Corinthiens ont un problème. C'est qu'ils se fient à tel ou tel apôtre. Ils disent Moi, je suis de Képhas, moi d'Apollos, moi de Paul. Eh bien, non, nous sommes tous au Christ et du Christ. d'accord Et ça vient de quoi ben, Paul fait la lecture. Il dit En fait, vous vous trompez sur l'importance ou la manière dont vous percevez l'apôtre qui vous a baptisé. S'il y a du clientélisme, vous en faites des gourous. Il ne prend pas le mot comme ça, mais c'est quand même ça qu'il décrit. Il va donc préciser le rôle des apôtres pour en même temps préciser comment l'Église ou ce qu'est l'Église et ce que sont les croyants. Les apôtres sont des serviteurs, serviteurs diaconoi, diaconoi. Ce sont des serviteurs par lesquels vous avez cru, dit il aux Corinthiens. Nous sommes, donc tous les croyants, des coopérateurs de Dieu. Les croyants, l'Église est l'ensemble de ceux qui coopèrent avec Dieu, coopèrent synergoï. Nous sommes en synergie avec Dieu. Je crois que ces mots-là sont intéressants. J'y pense souvent, moi, quand, je, quand on parle de l'Église, etc. Nous sommes tous des collaborateurs de Dieu, tous des synergoïs et tous des serviteurs. D'accord Vous êtes le champ de Dieu. Alors, il va décliner en disant, ben oui, certains plantes, d'autres arrosent, d'autres récoltent, alors après chacun a sa mission. Mais en fait, nous sommes tous des coopérateurs et qui travaillons au champ de Dieu ou à la vigne, l'autre image qui est prise souvent, travailler à la vigne du Seigneur. Deuxième image que prend Paul, vous êtes la construction de Dieu. Et chacun contribue, alors les apôtres, mais aussi tous les croyants. Vous êtes la construction de Dieu. Donc chacun va apporter sa pierre d'une manière différente. Et puis, de fait, personne ne peut poser de façon construite et organisée s'il n'a pas identifié le fondement commun à tout ce qui fait dire l'ensemble, c'est Jésus-Christ. On a cette image aussi avec les pierres vivantes dans la lettre de Saint-Pierre, évidemment. Mais il prend cette image. Construction de Dieu. Et puis, troisième image, ne savez-vous pas, vous êtes un temple. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est différent de ce que je vous disais tout à l'heure. Le corps de chacun est le temple de l'Esprit, le temple de Dieu, mais aussi l'ensemble des croyants constitue un temple, le temple de l'Esprit. D'accord Donc l'image du temple, elle est vraie individuellement et elle est vraie collectivement. L'Église, c'est l'ensemble des temples, des temples de l'Esprit du Seigneur, et ça fait un. Et donc vous voyez les trois images qui sont là. Champ, plantation de Dieu, c'est Dieu seul qui fait croître. Chacun apporte sa contribution, chacun avec ses compétences, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pas ceux qui contribuent qui font croître. Ils contribuent, mais seulement la croissance vient seulement du Seigneur, lui-même, de Dieu. La construction, chacun apporte sa pierre, mais la fondation, ce qui fait tenir l'ensemble et qui garantit que c'est une construction qui grandit. C'est la pierre de fondation qui est le Christ. Et ensuite, chacun constitue le temple de l'esprit dans son corps et ensemble constituons le temple de l'esprit. Est-ce que vous remarquez qu'avec ces trois images, parce que tout ça c'est dans le chapitre 3 de la première aux Corinthiens, c'est ce que j'ai mis en bleu, vous avez non seulement ces trois images, mais vous avez en plus les fonctions et ce qu'est l'Église, l'ensemble des collaborateurs, des sunergoi, ceux qui construisons, ceux qui sont le temple, mais en même temps vous avez Dieu. Vous avez le Christ et vous avez l'Esprit. Il écrit bien, Paul. Ce qu'il va dire avec ces trois images, eh bien, il donne les trois personnes de la Trinité. Et donc, l'Église, c'est celle qui contribue à cette construction, à cette, à cette plantation qui grandit. Et elle est bel et bien une Église qui affirme ou qui confesse la foi dans le Dieu trinitaire. Et on a ici une image de la manière dont les trois personnes de la Trinité se complètent. Vous avez une autre image, le corps et les membres, ici. Alors ça, on la connaît, cette image. Juste deux ou trois petites choses. Le corps et les membres, Paul prend cette image parce qu'il se rend compte que dans l'Église de Corinthe, eh bien certains se mettent en avant parce qu'ils ont le don des langues, d'autres se mettent en avant parce qu'ils ont le don d'enseignement, d'autres se mettent en avant parce que ils ont telle capacité, etc. Mais il dit en fait vous vous fiez à cette capacité que vous avez mais vous ne vous rendez pas compte que c'est pas vous qui êtes à l'origine c'est un don qui vous a été offert je vais dire donné un don donné un don qui vous a été offert et la seule source qui mérite de rendre par laquelle vous pouvez rendre grâce c'est celui qui est l'esprit saint autrement dit vous vous prenez pour des êtres spirituels parce que vous avez telle capacité mais moi, je vais vous dire, les dons, les charismes, c'est plutôt ça qu'il s'agit, ce sont des dons de l'esprit. Donc, ce n'est pas une occasion de gloriole pour chacun de vous. D'accord Comme Jésus a montré en allant, en acceptant la croix, a montré une humilité, mettez un peu d'humilité dans votre capacité à mettre en œuvre la capacité que vous avez, le don que vous avez, mais avec humilité. Et mettez-le surtout au service de tous. Ce n'est pas une occasion de vous faire valoir, c'est une occasion de servir l'autre. Vous êtes détenteur d'un charisme, c'est pour que ce soit mis au service de la communauté, au service les uns des autres. Vous êtes membres les uns des autres, dira-t-il, dans la lettre aux Romains. Mais de fait, il faut absolument que vous mettiez tout ça au service de l'autre et surtout que vous rendiez grâce à la seule source commune qui est l'Esprit Saint. Charisme différents euh, fonctions différentes mais c'est pas une occasion glorieuse parce que la seule source c'est pas vous c'est l'esprit et source commune vous êtes tous à égalité et vous l'avez reçu tout ça par le baptême c'est ce qu'il dit, par le baptême et donc vous vivez tous vous avez tous à la limite la même dignité et donc chacun peut apporter son charisme plus que ça doit apporter son charisme et même ceux qui en apparence sont moins honorables, comme il dit. Il y a des, corps, il y a des membres pardon, dans le corps qui sont en apparence moins honorables, donc selon on les met de côté, on va s'en détourner, il hmm, ne faut pas les fréquenter. Ben non, Dieu leur a donné plus d'honneur, parce qu'il y a une inversion de valeur avec la croix. C'est ceux qui en apparence ont moins d'honneur qui, au total, aux yeux de Dieu, on en ont le plus. Donc donnez-leur leur, ce qui leur revient, l'honneur aussi. C'est important parce que dans l'Empire romain, la course à l'honneur, c'est comme ça que vous arriviez à vous grandir socialement. Là, Paul, il tord le cou à cela en disant non, ceux qui ont moins d'honneur en apparence, Dieu leur en a donné beaucoup plus. C'est l'inversion des valeurs avec la croix, un langage nouveau, une logique nouvelle. Est-ce que ça va Autrement dit, un autre exemple, dans 1 Corinthiens 12, mais aussi dans 1 Corinthiens 14. Il dit en fait. Prenons l'exemple de ceux qui parlent et qui prient en langue. Il y en a peut-être parmi nous prier en langue. Il ne dit pas que c'est mal. Nuance, il ne dit pas que c'est mal, mais il dit faites attention. Si dans une communauté vous êtes là plusieurs à prier et que vous priez vous tout seul en langue, ah ben pour le coup, c'est très bien pour vous. Et vous ne vous occupez pas de l'autre qui est à côté et vous ne servez pas par votre prière en langue, vous ne servez pas l'autre. Le critère, c'est l'autre. Il faut servir l'autre. Et donc, change ton habitude et prie d'une façon, façon qui va nourrir l'autre aussi dans sa prière. Le prier en langue n'est pas reproché, loin de là, mais le prier en langue, dans certaines circonstances, il y a des moments où le prier en langue, il faut l'adapter pour que, de fait, la prière puisse servir aussi le voisin, l'autre qui est dans la communauté. Voilà un exemple. Ça, c'est typiquement Paul. Ben Pardonnez-moi, je trouve que tous ces exemples, c'est quand même très concret, parce que là, on parle du prier en l'homme, mais il y a bien sûr toutes les autres fonctions qui passent au même crible. Est-ce que ça sert la communauté Est-ce que ça sert l'autre C'est ça, le principe. L'Église doit, ne peut vivre en communauté que s'il si y a ce souci l'un de l'autre. Est-ce que je sers l'autre Et puis alors, je n'oublie pas non plus le dernier point, les Églises domestiques. Pour lui, le couple dimension ecclésiale c'est important hein ça c'est dans les lettres éphésiens-colossiens ce qu'on appelle les codes domestiques c'est dans le couple que de fait la dimension ecclésiale se vit aimez-vous les uns les autres hommes et femmes aimez-vous aimez-vous les uns les autres c'est femmes soyez soumises à vos maris hein c'est pas ça soyez soumis l'un à l'autre soyez ajustés l'un à l'autre par une relation d'agapé il n'a jamais écrit uniquement Femmes, soyez soumises au mari. Tordons le coup à ça. Hein. Qu'est-ce que ça fait de mal, ça, en ne lisant pas le texte correctement hein. C'est Soyez soumis, autrement dit, ajuster, coordonner l'un à l'autre. Et ça, c'est ecclésial. On l'a vécu encore plus pendant le confinement on a retrouvé cette dimension de famille, lieu d'église, hein, lieu domestique d'église. Par enfant Hein, vous gossez, et puis maître esclave hein. à l'époque. Je rappelle que l'esclavage aujourd'hui, ça nous horrifie. N'oublions pas que c'était pas le même contexte et qu'il y avait des esclaves qui souffraient. Il y a eu des esclaves qui étaient plutôt bien lotis socialement aussi. Je suis pas en train de défendre l'esclavage. N'allez hein. pas interpréter. Hein. Mais n'allons pas trop vite plaquer sur ce qu'il dit sur l'esclavage euh, par rapport à nous, nos, nos représentations aujourd'hui. Hein. L'esclavage est toujours à dénoncer aujourd'hui, bien évidemment. Le décryptage des défis que traversent ces communautés et l'appel à se convertir à l'agapé de la croix, il attire l'attention sur le fait que c'est avec la croix que nous pouvons alors comprendre en quoi la dévalorisation du corps est mauvaise. Encore une fois, à l'époque, chez les Grecs, ce n'était pas du tout gênant. Si vous visitez les ruines de la ville de Corinthe, magnifiques ruines à visiter. J'espère que vous le pourrez ou vous l'avez déjà visité, c'est très parlant parce qu'on voit tous les lieux de enfin on voit des lieux de prostitution sacrée, on voit des lieux de de, 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 de déviance sexuelle, à, je veux pas dire à tous les coins de rue mais ne faut pas exagérer mais enfin quand même. À l'époque corinthianiser, ça voulait dire avoir une vie complètement dissolue hein, sur le plan sexuel. C'était connu et c'était habituel. Et ça ne choquait personne. Parce que l'important, c'était l'intellect. Et Paul, de fait, leur dit, mais attendez, le Seigneur ne nous donne un corps, et donc valorisez votre corps, rendez gloire à Dieu dans votre corps. C'est intéressant. Pourquoi je réinsiste là-dessus C'est parce qu'on a des débats sur l'éthique sexuelle et familiale aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'argumente Très souvent, c'est le permis défendu. Pardonnez-moi, avec Paul, on va plus loin. C'est la théologie du corps, justement, la première théologie du corps. Le corps est un lieu théologique ou théologal où Dieu se dit. D'accord Et la relation avec l'autre, c'est un lieu théologal, un lieu de foi. Mais ce n'est pas d'abord c'est bien ou c'est mal. C'est parce que c'est théologal qu'alors, une orientation éthique nous est proposée. Nuance, nuance. Regardez tous les débats actuellement sur le genre. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on va rester sur une attitude offusquée ou alors un argument Bah oui après tout, euh, c'est la société qui oriente, etc. Attendez, attendez. Et Dieu dans tout ça Pardonnez-moi l'expression, mais et Dieu dans tout ça S'il est vraiment le Créateur, il nous a donné un corps. C'est déjà pas facile d'habiter son corps et de s'accueillir de comme on est quand on est ado. Alors c'est peut-être pas en allant au contraire dire ben non c'est à toi de choisir attendez qu'est-ce qu'on met comme charge sur la tête et dans le cœur de nos jeunes aujourd'hui avec ce genre de, de fausses informations. Pardonnez-moi mais je trouve c'est important de le dire de temps en temps. Mais c'est pas en jouant les pères la pudeur qu'on va y arriver et c'est pas en disant ben c'est parce que éthiquement non non d'abord théologiquement qui a donné un corps Qui est le Créateur Comment tu fais Comment est-ce que tu te reçois ben, Attendez, c'est Dieu, une dimension théologique. C'est exactement ce que fait Paul. D'accord Et c'est là que Paul est actuel pour nous aujourd'hui, pour nos églises, pour notre église. Je crois que c'est vraiment le modèle, le modèle de la foi et de l'annonce de la foi. Euh, les déviants sexuels, je viens de le dire. L'idolâtrie, la consommation des viandes offertes aux idoles. Ben C'est drôlement intéressant, peut-être, de se dire, mais après tout, comment est-ce que Paul traite cette question Il y avait des viandes offertes aux idoles, les sacrifices offerts aux idoles. Eh bien, il y a tout un ensemble, quand on a ces extraits dans la liturgie, ça nous passe au-dessus de la tête. Vous avez un petit extrait de 5-7 versets, et puis vous entendez, ben là, les, fertes, les viandes offertes aux idoles, ne mangez pas. À chaque fois, on se dit, qu'est-ce qu'on en a à faire dans la liturgie Ça ne nous parle pas. Mais au contraire, quand on prend le texte de la lettre de Poche, je vous garantis que c'est parlant. Parce qu'on voit comment Paul argumente et il dit Mais attendez, ce qui est plus important, c'est la prise en compte d'abord de ce que les autres vont percevoir de ta foi quand tu manges des viandes offertes aux idoles qu'on t'a offertes. Toi, c'est pas toi qui as couru après. L'enjeu, c'est quel témoignage tu vas donner tu respectes celui qui est invité, qui est de cette viande, mais j'allais dire en toute bonne foi, <laughs> viande, euh, voilà. Mais si en revanche, tu détruis la foi ou tu perturbes un autre dans ce, son chemin de foi et tu vas le mettre en situation de, de redonner un peu de crédit à une idole, alors là, non, abstiens-toi de viande offerte aux dire Le critère, c'est l'autre et l'impact de ton attitude sur la foi de l'autre. Le respect absolu. Je trouve ça magnifique. Et ça, c'est actuel pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que on, qu quand, quand on a les débats sur, bah tiens, pendant le carême, on va s'abstenir de manger, on fait jeûne, on fait maigre le vendredi et le mercredi décembre et le vendredi saint. Et puis tous les débats sur le halal et la, la cache-route. Bah, on n'est pas loin là. On n'est pas loin. Est-ce que vous allez acheter de la viande dans le rayon halal, qui est de plus en plus grand ou, ou pas, qu'est-ce que vous allez transmettre comme message en, 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 en acceptant de manger... Enfin, vous voyez, ça rejoint des situations concrètes que nous vivons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Quand vous allez en pèlerinage en Terre Sainte et que vous êtes sur, euh, sur El Al et qu'on vous offre euh, un, petit, un petit fricheté, un petit repas rapide, mais tout ça cache route, vous le mangez mais, Attendez, voilà, qu'est-ce qui c'est -ce que autorisé, C'est pas autorisé, quelle image ça donne, quel témoignage vous donnez, etc. Réflexion. Et Paul nous aide ici, comme il l'a fait pour les Corinthiens, son argumentation nous aide dans nos positionnements aujourd'hui. La course au mode du monde, la sagesse grecque, je vous le disais, Paul montre que c'est pas la course à la sagesse qui est bonne. La sagesse, elle est là, elle dépasse l'entendement humain, la sagesse de Dieu dépasse la sagesse des hommes, au moins d'après au point d'apparaître comme une folie. Le langage de la croix, folie pour les païens, dit-il. Ça paraît une folie, mais c'est ça la vraie sagesse. Le retour à telle ou telle pratique de, de, de foi, la pratique juive, ou les faux apôtres, ou la cosmologie, enfin voilà, il prend plein d'exemples, si vous voulez, de ce que vivent les communautés, qui les perturbent dans leur vie de foi et dans leur vie de communauté, et il permet de prendre la mesure de ce que le message du Kering vient éclairer la, la pensée et la pratique, non seulement de foi, mais aussi de vie des croyants. C'est en ce sens que Paul, à mon avis, est intéressant pour nous et nous rejoint et nous aide dans tout ce que nous avons à vivre. Autrement dit, ce sont des, des communautés fraternelles appelées à se convertir à l'agapé manifesté sur la croix, on passe d'une simple relation d'amitié à de l'agapé. Il y a une conversion hein, à vivre. L'amitié, c'est de la filia. Paul, la filia ne suffit pas. Passons à l'agapé. Un amour, j'allais dire une, parce qu'agapé, en grec, c'est féminin. L'agapé, c'est de fait donné par Dieu. Ça va au-delà d'une simple relation de réciprocité amicale. Donc creusons ça. Ça va plus loin, au point de paraître complètement fou. Tu vas te donner, tu vas te donner 100%. Dites des parents qui se donnent totalement à leurs enfants. Euh, euh, pour moi, c'est plutôt de l'agapé que de la philia, ça. parce que c'est par amour qu'ils se donnent. Ils vont se priver de vacances. Ça a été sûrement ou c'est votre cas. Vous vous privez de vacances parce que les enfants ont besoin de ci, de ça. Attendez, ça c'est de l'agapé. Vous allez visiter une personne qui est à l'hpad, etc. Vous, vous privez de telle ou telle occasion de vous divertir. Ça, c'est de la Il n'y aura pas de retour. Non, non c'est donné à fond perdu. Sauf que le Seigneur vous remplit le cœur de joie parce que vous avez fait. Bon, voilà. L'épreuve des divisions et des schismes, le critère du discernement, c'est l'autre. Ce que je vis, est-ce que de fait, je le sers Ça le sert dans sa vie. Hein l'appel à se conformer au Christ, la croix du Christ comme chemin pour les relations dans les communautés fraternelles et les divisions pendant le repas du Seigneur. Alors là, il en donne aussi des longs développements. Des longs développements. Le dernier point. Quand dans 1 Corinthiens 8, 9, 10 et 11, il dit, mais attendez, vous ne vous attendez pas pour le repas du Seigneur. Vous pensez célébrer l'unique repas du unique Seigneur en partageant le pain. À l'époque, n'était pas la structure de la messe comme on le connaît. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas la messe de tout temps. Elle n'existe pas la messe de tout temps. Elle a évolué tout le temps les structures de messe et elle évoluera encore. Mais à l'époque, c'était un repas au cours duquel on apportait de quoi partager les agapes et puis partager le pain et puis partager le, le, la coupe après avoir prié et consacré. Eh bien, de fait, certains S'empiffraient, je ne force pas le mot, hein, parce que c'est presque ça qu'il dit. Hein. Certains s'empiffraient, puis d'autres qui arrivaient après, parce qu'ils étaient restés à travailler au champ, ils arrivaient après, eh bien, il euh, n'y avait plus grand-chose à manger. Il dit Vous pensez que vous partagez le repas du Seigneur Ce n'est pas le repas du Seigneur, les leur dit Franco, parce que vous ne faites pas corps ensemble. Ne dites pas que vous partagez le, repas, le corps du Seigneur, l'unique corps, si vous ne faites pas corps ecclésial ensemble. Ben ça, je trouve, que ça nous interroge sur nos capacités à faire corps, à faire corps ecclésial quand on célèbre et nous nous nourrissons du corps unique du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment le corps unique du Seigneur que nous célébrons alors qu'il y a des divisions dans nos communautés, alors qu'il y a différents rites dans nos communautés Là encore, c'est à l'image de la croix qu'il interroge ces questions. Donc, en ce sens, il est d'une extraordinaire actualité. Unité dans la communion, d'accord, mais unité encore en devenir. Allez, je termine. Les trois dimensions imbriquées, annoncer, célébrer, servir, ça fait trois fois que je vous le dis, mais pourquoi C'est parce que les trois, il ne doit pas en manquer une. Quand dans nos communautés, certains disent Ah, moi, la prière, ce pas pour moi, mais en revanche, au secours catholique, ou euh, tant que vous voulez, je vais visiter les personnes, la prière, je ne sais pas faire. Oui, comment est-ce qu'on peut progresser quand même Il n'y a pas les spécialistes, ils n'ont pas le monopole du cœur, comme dirait certains dans l'histoire. Euh, il n'y a pas les spécialistes de la charité, il n'y a pas les spécialistes de la prière, il n'y a pas les spécialistes. De... Non, non. C'est comment est-ce qu'on peut tous progresser sur ce chemin d'équilibre entre les trois dimensions Se soutenir, s'encourager, oui, s'encourager par là encore. Hein. Euh, et puis les communautés un peu laboratoires l'église est comme un laboratoire d'agapé vivons entre nous l'agapé et c'est pas facile tous les jours c'est à ce prix là que cette agapé sera contagieuse, je dis bien qu'elle est féminine, c'est à ce prix là qu'elle sera contagieuse et alors elle pourra se répandre vers tous les hommes n'oublions pas ce que plus tard saint Jean dira ou, ou rapportera des paroles de Jésus, Jean 13-35 c'est l'amour l'agapé que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Le plus beau témoignage de foi, c'est la manière de vivre de l'agapé. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Il l'a dit au moment du lavement des pieds. Et à la fin, la mission pour la communauté, je retermine par là, c'est être source de lumière dans le monde, c'est dans Philippiens, faire advenir le Christ, enfanter le Christ, le faire advenir dans le cœur de l'autre c'est ça qu'on appelle la conversion missionnaire c'est prendre au sérieux l'appel à incarner le kérim quand quelqu'un traverse une épreuve eh bien je lui dis que le Christ est mort et ressuscité pour lui au oh, cela dit j'enfante le Christ dans son cœur et dans ce qu'il est en train de vivre tu avais peut-être oublié que le Christ est là pour toi mais c'est normal que tu l'oublies parce que l'épreuve a pris le dessus mais moi je viens de te remettre le Christ dans le cœur, là au moment où tu en as besoin. C'est ça, enfanter le Christ. C'est ce que dit Saint Paul en Galates 4, 19, quand il dit Mes petits-enfants, que dans la douleur, je ne cesse d'enfanter. Je ne cesse d'enfanter le Christ en vous. Vous voyez Avec les Galates. Hein Allez, ça, je, je, je passe parce que c'est vraiment l'annonce de l'évangile pour transformer le monde. Et je voulais juste conclure en vous citant Éphésiens. Il un chapitre 4. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps, donc l'Église, poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Alors, je m'arrête trois secondes. Vous voyez bien qu'ici. C'est la vérité, c'est l'amour, c'est l'agapé qui est le lien entre les membres et qui permet qui permettent au monde de faire corps. Il dit bien dans la lettre aux Éphésiens, c'est les jointures, les jointures, c'est l'esprit Saint qui met l'agapé dans nos dans nos relations. C'est ça les jointures du corps. Et est-ce que vous remarquez aussi là, pardon, ici, là, à la mesure de chaque membre? C'est-à-dire que le Seigneur ne demande jamais l'impossible à qui que ce soit. Il donne à la mesure de chacun. Ça, c'est la parabole des talents. Hein. À chaque fois, j'ai droit à la question. Hein. Mais pourquoi il a donné cinq talents à l'un puis un talent à l'autre, etc. Parce qu'il donne à la mesure de chacun. Il ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre, puisqu'il demande le même, la même proportion de résultats. C'est de participer au fait de faire fructifier ce qu'il a donné. Donc, c'est pas à la mesure. Du résultat donné, c'est à la manière dont chacun va se saisir de la mission, quelle que soit la quantité de mission ou l'importance de la mission réalisée. Chacun à sa mesure. Donc, personne ne puisse dire moi, c'est pas mon niveau, j'y arriverai jamais. Si on a chacun à quelque chose à vivre et à apporter dans la, à contribuer à la mission de l'Église. Je termine, verset 23 laissez-vous donc renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Voilà, je termine là. C'était donc en quoi les Écritures peuvent-elles nous éclairer pour faire Église et être Église aujourd'hui Vous voyez bien que c'est sur la croissance et sur le chemin de croissance de l'Église que nous sommes tous appelés. Et j'espère que les Écritures nous auront éclairé au moins un petit peu ce soir. J'espère un peu plus aussi. Merci beaucoup de votre attention. Quel programme, Quel programme. Mais j'espère que ça vous redonne de la force. En oh, soir, non, ça vous a sûrement écrasé. Mais j'espère que ça vous redonne de la force et un petit peu de cœur à l'ouvrage. Voilà, bon, ben, merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Euh, je pense qu'en effet, ça, ça nous donne matière à réfléchir. Et puis, euh Peut-être aussi vivre une conversion par rapport à l'image qu'on a de l'Église. Voilà. Et de faire l'Église en bon, ben, Voilà. Merci. merci beaucoup. Je remercie aussi les, les membres de l'équipe qui sont là, du service formation. Eh ouais. bien, moi aussi, je les remercie. Merci <laughs> beaucoup d'avoir organisé. Et puis, merci à chacun de vous d'être venus voilà. ce soir. Et puis, on espère vous revoir. Donc, que ce sera normalement le 7 mars. Voilà. C'est ça, hein? Voilà, soyez témoins. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. Merci beaucoup, rentrez bien. Bon courage. Merci.